Non. Je recommence. Oui, oui, vas-y. OK. Bienvenue tout le monde au podcast La Vie d'une Puck. On est... Moi, je suis Ray Shepherd. Et lui, c'est... Bob Kudelski. C'est notre troisième épisode. On commence à être pas mal rodé, plus ou moins. Et aujourd'hui, ce que je voulais faire en premier, c'est... Il y a un gros sujet en ce moment sur la table, là, c'est les, la LHJMQ. Là, tout le monde est en train de... la mettre à terre à coups de barre à clous. Il y a beaucoup de témoignages qui sortent sur les initiations. Ah, mon Dieu, ça. Oui. Il y a beaucoup de scandales de fou. Des scandales, ouais. Choses... Courteau, comment il s'appelle? Gilles Courteau qui... démissionné, blablabla. Donc, nous, on a une philosophie quand même, c'est de ne pas trop parler des événements récents puis mainstream, là, si on veut. Surtout mainstream. On peut parler du récent, mais il faut que ce soit un petit peu obscur. Oui, c'est ça. Comme l'autre fois, j'ai parlé de la SPHL, c'était pas mal dans nos cordes. Mais quand même, les bagarres de la LHJMQ, je voulais quand même effleurer le sujet. Là. Je ne sais pas ce que t'en penses, des bagarres, d'interdire les bagarres. Si ben, moi, personnellement, parce que comme quand on est allé voir les Saguenayens, contre Halifax, il y a quoi, quelques mois, j'étais étonné. Moi, ça faisait super longtemps que j'avais pas été voir une game de la Ligue junior de... puis j'étais comme étonné qu'il n'y avait pas de contact quasiment, il y avait zéro bataille, c'était juste fluide, tu sais, comme complètement. Puis moi, j'avais vu ce hockey-là dans les années 90, parce que ça se battait à tour de bras avec Peter Worrell puis des gens comme ça, là, des Olympiques de Hull. Fait que moi, je suis comme étonné que là, tout d'un coup, ils disent « OK, là, on coupe tout ». Moi, je trouve que ça fait une suite logique. T'sais, c'est que ils ont déjà tellement tout enlevé que là, ils disent, ben t'inquiète, on enlève... Ouais. Mais c'est ça, ils ont pas enlevé tout d'un coup. Ça a été graduellement diminué, les bagarres. Puis, moi, je suis comme... Tu sais, il y a tout le temps un côté, en tant que fan de hockey, que t'as tes lunettes de hockey, tu sais. Que, ah non, les bagarres, c'est bon. Pour nous autres, c'est bon. Les bagarres, c'est essentiel. Tu sais, je veux dire... tu peux pas enlever les bagarres, ça fait partie du jeu, blablabla, t'sais. Mais ça, c'était lunettes de joueurs de hockey, de fans de hockey, de partisans, puis de traditionnalistes, si on veut, là, de... Ouais. Fait que, t'as tu qui est bien bizarre? Ouais, je l'ai mis de ce côté pour bien entendre. Hein? OK. Fait que, c'est ça, mais si tu mets des lunettes normales, tu vois que c'est des enfants, pas des enfants, mais des adolescents de 16-17 ans qui se battent là, dans un cadre sportif, c'est pas utile, là. C'est pas sain, là, tout ça. Non, fait que, moi, les bagarres qu'ils enlèvent, je suis totalement content. Je sais que c'est inévitable, il va peut-être en avoir de temps en temps, puis il va y avoir des... Tu sais, c'est normal qu'il y ait des échauffourées, là, que tu te rentres dedans après une mise en jeu ou, tu sais... Des petits, comment t'appelles ça, des escarmouches. Puis ouais. Des, ça, ils vont en avoir tout le temps, mais des grosses bagarres. Non, les bancs qui se vident, puis ça se bat, puis tout. Non, mais sinon, les bancs qui se vident, ça, t'en vas plus jamais. Ouais, c'est ça. Même des combats, tout court, t'empêches ça, t'es arrêtes. Mm-hmm. Ils ont le droit de se chamoyer, de se pousser, ça fait partie de l'intensité de jeu. Ça, j'aime ça, c'est bon. Puis des fois, les joueurs le méritent de se faire rentrer dedans, de se faire ramasser. Je veux dire. C'est pas... je veux pas totalement éradiquer l'agressivité du hockey, mais la violence, c'est différent. L'agressivité et la violence, c'est pas pareil. Ouais, c'est vrai. Comme ça, je vois ça. Puis, tu sais, dans le cadre que c'est des jeunes... Tu sais, au hockey universitaire, t'as pas de bagarre. Tu te bats, t'es suspendu automatiquement le prochain match. Même des fois, ça peut être plus qu'un match. OK. Puis, ça, là, c'est bon et c'est un mauvais côté. Des fois, moi, je me rappelle... Quand on allait voir McGill, il y a un de leurs meilleurs joueurs, c'est Francis Véropol, un ancien des Sags, qui s'était battu, puis c'était dans les séries, puis là, il faut que tu l'assumes en maudit que tu te bats, là. T'es suspendu, t'es suspendu le prochain match, il faut vraiment que tu sois... Fait que, tu sais, je trouve ça correct. Il va y en avoir quand même des bagarres, mais t'es suspendu, assume-les, tu sais. Fait que moi, je trouve ça correct. Là. Ouais, sauf que peut-être... Que, je ne suis pas dans ce game-là, mais ils ont comme l'autre équipe a tout fait exprès pour faire péter la coche à l'autre. Puis ouais, ils ont peut-être demandé un joueur un peu à la S.A. Tikkanen ou vraiment boguant, puis tu sais, de faire perdre la vedette de l'autre côté. Ouais, c'est ça, ça ne sera jamais parfait, ça, c'est sûr. Ouais, mais c'est un bon pas là, de éradiquer les bagarres. On sait tout. Comme je disais tantôt, nos lunettes de fans, nos lunettes de
de slap shot, si on veut, là, comme, le hockey comme dans le temps, tout ça, ben c'est. Il faudrait changer de lupaire de lunettes, changer de prescription. Ben, pour le hockey de ce niveau-là, oui. Mais ouais. Ensuite, quand ils vont dans la Ligue américaine ou les autres ligues dont on a parlé, quand ils deviennent des adultes, des professionnels qui sont payés pour ça, ben là, OK, ils peuvent se battre. Ils peuvent l'apprendre là. Ils peuvent l'apprendre plus tard à se battre. Là. Quand ils ont 16 ans, fuck off. Est-ce que tu penses que ça veut dire que, comme la Ligue junior du Québec ne produira plus de joueurs robustes de genre Lagoon, puis ils vont tous venir de l'Ontario puis de l'Ouest? La LHGMQ, de toute façon, là, c'est une bonne affaire qu'ils changent de commissaire parce que. Mm-hmm. Combien que de Québécois à cette heure dans la Ligue nationale? Là, pas bien, bien. Fait que, tu sais, il y a quoi qui te cloche à quelque part. C'était pas juste cette affaire-là d'initiation puis les bagarres. Le hockey au Québec va pas super bien en général. Là, fait que. Ouais, okay. C'est ça que je pense. De toute façon, comme je dis, dans un cadre scolaire, tu sais, ou que c'est des jeunes mineurs encore, c'est pas très. C'est contradictoire de les encourager à se battre. Surtout. Pour ça qu'ils éradiquent ça, qu'ils ont enlevé ça à l'université, puis au collégial, puis partout ce que ça touche à l'école, ils enlèvent ça, les bagarres, puis tu sais, ça fait du sens, là. Tu te bats pas, en tout cas, dans la vie, puis à l'école. Là. Mais ce que tu dis, parce que moi, j'ai pas trop suivi... J'aime quand même des bagarres. Moi aussi, je vais aller voir des vidéos des années 90 de goons, tu sais, qui se battent, comme... Ah, je me rappelle de lui, esti, qui était débile en esti. Mais je suis comme, ouais, mais d'un autre côté, ce gars-là, 20 ans plus tard, il s'est suicidé, tu sais. Ouais, c'est problème de c'est pas, très grave. Faut que tu penses. Juste les batailles de la Ligue junior du Québec, tu regardes ça les années 80-90, c'est hallucinant. Puis il y en a plein qui n'ont absolument pas fait de carrière professionnelle par la suite. Ils se sont juste tapochés, puis ça finit là. Mais c'est quoi en ce moment la réaction? Parce que moi, j'ai pas trop suivi. Il y a plein de gens qui sont furieux qu'il n'y ait plus de batailles, c'est ça? Ben oui, il y en a qui disent que ça dénaturalise le hockey, puis que ça fait des momounes, puis tu sais, c'est des woke. Les woke, ils sont partout. Tu vas avoir plein de commentaires demain. Ça va pas bien. Et c'est, OK. Mais, en tout cas, vous pensez ce que vous voulez, mais moi je trouve que c'est une bonne affaire. On verra bien dans 20 ans. Je vais peut-être dire dans 20 ans, ben non, ramenez les bagarres. On mérite tous de se tuer. Je pense pas. Moi, je pense que dans 20 ans, il va peut-être avoir des vrais robots en uniforme de hockey, puis là, ils vont se battre entre eux autres. Hockey, ça serait plus facile à les réparer quand ils se blessent. Oui, ça serait fou. Ou des hommes genre... Parce que les blessures, ça fait chier dans le hockey. Hein. Le Canadien, là, comment tu veux suivre le Canadien? Ça? Même s'ils sont pas bons, ils se blessent tous. Ça n'a pas rapport avec les bagarres. Là, je m'égare un peu. Mais je voulais parler des bagarres parce que je parle souvent du hockey universitaire qu'il n'y en a pas et à quel point j'aime le hockey universitaire. En ce moment... en date d'aujourd'hui, là, on est samedi le 11 mars, je lis en anglais. Saturday, March 11. Oui. Et ce soir, les Patriotes de la UQTR, de l'Université de Trois-Rivières, sont en finale de l'Est. Ah ouais. Je savais même pas qu'il y avait des finales. Chaque conférence universitaire, il y en a trois. Il y a l'Ouest, il y a l'Est, puis il y a les Maritimes. OK. Toutes les universités participantes sont dans... C'est quoi l'Est? C'est-tu l'Ontario ou le Québec? Ontario-Québec. OK. Ben là, c'est la finale de l'Est. Puis ce soir, c'est UQTR contre Windsor, je pense. Ouais. OK. Pour la finale de la Queen's Cup, la Coupe Queen's. Puis ça, ben c'est le deuxième plus vieux trophée de hockey après la Coupe Stanley. Je pense que c'est 1905. Là, OK. C'est la Coupe Stanley, c'est 1893, puis la Coupe Queen, c'est une décennie après. Puis c'est encore le deuxième plus vieux trophée. En utilisation. En utilisation, ouais, okay. Puis même si ça ne serait pas en utilisation, les autres trophées de cette époque-là, ben, ils n'ont pas duré aussi longtemps. Fait que ce soir, c'est ça. Ben, je voulais revenir sur... je vous donnais un petit segment de ce que c'est un peu le hockey universitaire. Parce que ça vient du compte YouTube de... Ce que je vais mettre à l'écran, c'est ça vient du compte YouTube de l'UQTR. Ils mettent tous leurs matchs gratuits. Est-ce que ça se joue-tu en live ou c'est après? Oui, ça fait que... Là, on va être en retard un peu. Là. Quand ce podcast-là va être diffusé, ben le match de ce soir va être passé. Mais s'il gagne, vous allez avoir un autre match, d'autres matchs de série, parce qu'après la Coupe Queens, après la finale de l'Est, ben c'est la finale canadienne.
Si les Patriots gagnent ce soir, ça va être des séries. Donc, la prochaine fin de semaine que vous allez voir le podcast, vous allez peut-être avoir un match le même soir. Je conseille vraiment d'aller voir ça. C'est gratuit, c'est sur YouTube. Puis ça joue live sur YouTube? Ça joue live sur YouTube. Oh, des fois, tu attends un peu. Là, des fois, tu as une demi-heure de rien. Là, puis okay. La manée, ça commence. Oui, oui, oui. Mais c'est le fun. C'est gratuit. Tu regardes ça, puis c'est un peu dur des fois à écouter parce que c'est pas les mêmes angles que... Les mêmes angles professionnels de TVA Sport. Okay. Y a-t-il juste une caméra qui filme? Ouais, c'est ça. Ou ça dépend de l'aréna, peut-être? Ça dépend de l'aréna, ça dépend de tout. Puis des fois, tu n'as pas une super belle vue, mais tu t'habitues assez vite. Il faut que tu t'habitues aussi aux commentateurs. Là. Ils ont des micros moins bons un peu. Puis en tout cas. Mais une fois que tu es bien immersé, ben, tu es capable de regarder le match. Fait que ce soir, c'est très probable que je regarde la finale de l'Est. Okay. Fait que là, je vous mets quand même le petit extrait. On voit qu'il y a bien du monde dans le building, pareil. Oui, ça, c'est à Trois-Rivières. Et les Patriots perdaient 4-0. Ah oui, j'ai vu de quoi là-dessus. Puis, ils ont remonté à 4-4, puis ils ont gagné 5-4 en prolongation. C'était contre Concordia. Ah, ouais. Donc, on va en écouter un petit bout. Moi, je vais éditer ce qu'il faut sur Internet. OK, OK. Donc là, on est en quelle période, là? Je ne sais pas. Concordia, ça doit être le C? Oui. OK. On ne voit pas bien le logo des Patriots de loin de loin. Oui, mais le logo, il est... Il est-tu pas pire, leur uniforme? Non. Non? Ah, il est correct. Oui? Oui, le son, c'est... Ça patine quand même vite. Ah bien. Fait que là, les gens qui sont là, c'est tout du monde qui ont comme 18 et plus? Ouais, 20 et plus, tu sais. OK. C'est après le junior. 4-4. Ah, on a manqué les 4 buts. Ben non, mais je ne mettrai pas toutes, là. Non, c'est sûr. Je vais te mettre le... Je vais vous mettre le but de... Le but gagnant. OK. Hey. Oh! Oh, shit. Et tabouin. Ouf. Pour Concordia, c'est plate, là. Ils se sont vraiment effondrés. Hein. Mais... Oh boy. OK, là, ils attaquent. Un contre deux. Oh! Ah! Voyons donc! Wow! Hey, l'autre qui saute des bancs, tu veux ça? Ouais, c'est ça, donc ça a... Wow! Hey, le high, toi! OK, fait que là, il est tout seul. Il y en a deux, l'autre s'essaye. Là, il se replace. Ah! L'autre, il n'a pas couvert son goût. Ah, il va s'en vouloir longtemps, donc, c'est ça. C'est la semaine passée. Le samedi passé. Et c'est ça. Là, ce qui est le fun avec ces niveaux-là, c'est que toutes les séries commencent plus tôt que la Ligue nationale. La Ligue nationale, ils finissent tellement en tard à cette heure. Oui, c'est vrai. Là, tu as raison, ça. C'est les séries sont toutes finies en mars. Oui. Même l'autre coupe qui s'en vient, là, tout est fini en mars. Oui, mars. Ouais, non, ça ne dure pas vraiment longtemps, le tournoi canadien. Puis après ça, bientôt, il y a les séries de la LNH qui commencent et les séries collégiales aussi. Les Janois qu'on va aller voir. J'aimerais ça aller aux Janois et au Marquis, là, voir l'image des séries. Ça va être super bon. On parle des Janois d'Alma puis les Marquis de Jonquière. Ouais. L'année passée, quand on a fait... les excursions, la vie est une POC, on avait comme défi de... Moi puis les quatre autres du blog, on avait comme défi de voir le plus de matchs possible, le plus de niveaux possible. Donc, on a vu LHJMQ, Ligue nationale, Ligue américaine, East Coast, on les a toutes faites au Québec. Pas toutes... moi, je les ai pas toutes faites, mais ensemble, on les a toutes faites. Puis, le meilleur match que j'ai vu l'année passée, dans tout ça, parce que j'ai vu la East Coast, j'ai vu... Junior, j'ai vu quand même tout collégial. Mais le meilleur match que j'ai vu, c'était un match des Marquis en série. Ça a fini comme ça en prolongation. Je pense que c'est le même score, là, 5-4. Puis, j'ai hâte là, cette année de voir si ça va être aussi bon.
Et le collégial aussi, les Janois du Collège d'Alma, ils sont... Ça commence la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Et ça aussi, je veux qu'on y aille. Bon, ben, rock and roll. Donc, c'est ça. C'est un petit peu pour notre petite intro là, du hockey actuel, là, si on veut. Mais là, on va passer à toi. Tu vas nous faire une bio, je crois. Oui, une petite bio, cher partisan de La vie est une poque. Donc, je ne sais pas si c'est pour vous, mais là, je vais la présenter comme ça. Là. Ça, c'est une carte que j'ai toujours traînée avec moi parce que j'aime beaucoup les Nordiques. Okay? J'aurais dû mettre mon chandail des Nordiques cette semaine, mais non, j'ai mis un chandail des Barons de Cleveland. Oh, yeah! Faite par La Vie est une Puck. N'oubliez pas, on vend aussi des paquets de cartes. Hein? Bien sûr. Donc, Ken Quinney. Ken Quinney. Donc, c'est un joueur de hockey qui est né en 1965 à New Westminster, en Colombie-Britannique. Okay? J'ai jamais vu cette carte. C'est une carte de Upper Deck. Puis, c'est pas mal sa seule carte que j'ai pu trouver parce qu'il y a des hockey. Hockey database card database sur Internet. Puis là, tu regardes un peu chaque joueur, tu es capable de trouver un peu ses cartes, qu'est-ce qu'il y a eu. Puis il y a beaucoup de cartes, genre des compagnies de pain ou je sais pas quoi. Ouais. Tu sais, les affaires de même. Donc, Ken Quinney, l'affaire, c'est que, comme je vous dis, c'est qu'il a fait une très courte carrière dans la Ligue nationale et de ce qu'on peut regarder dans la database des cartes sur Internet, ce serait la seule carte qui est sortie dans une série. Là. Tu sais, là, Non, je le vois, ça, tu sais, ça seul. Ouais, c'est pas mal juste ça qui est sorti. Donc, c'est pour ça que peu de monde le connaissent. Puis moi, ça m'a toujours intrigué parce que, anyway, j'adore les Nordiques de Québec, puis j'essaie de voir un peu chaque personne qu'est-ce qu'ils ont fait. Là, tu regardes en arrière de la carte, puis, tu sais, ça montre qu'il y avait des stats vraiment imposantes dans la Ligue américaine. C'est ça que moi, je constatais quand je regardais en arrière. Fait que je vais aller voir c'est qui ça. Puis vous allez voir que plus qu'on va avancer, plus qu'il va avoir des liens avec le hockey actuel. Donc, c'est ça. Ken, il est né en 65 en Colombie-Britannique. Et au début, donc, il a joué 3 saisons avec les Wranglers de... Ben plus 4 saisons, excusez-moi, avec les... comment on appelle ça? Les Wranglers de Calgary dans la Western Hockey League au début des années 80. Puis, il a commencé très lentement avec des saisons de 11 et 26 buts, tu sais. C'est un ailier gauche. Puis là, tout d'un coup, j'ai pas vraiment vérifié c'était qui avec qui il jouait. Ça doit être un facteur. Il a explosé à sa troisième saison. 64 buts, 118 points en 71 matchs en 83-84. Badum, il explose. Là, de la performance tardive qu'il y a eu en 83-84, ça lui a permis d'être repêché par les Nordiques de Québec en 10e ronde. Okay. C'est le vraiment fin, complètement fin de repêchage de 84. Et donc, on peut noter que les dépisteurs de l'époque, ils ne percevaient pas comme un très grand potentiel chez lui. Et l'année suivante, donc on est en 84-85, il a continué sur sa lancée offensive avec 47 buts et 114 points en 56 matchs. Donc, ouais, encore moins de matchs, 15 matchs de moins, tu sais. Fait que là, même s'il y avait des statistiques intéressantes, même en série, à cette époque-là, donc si on regarde, il y avait quand même des points assez de façon régulière en série. Son équipe, les Wranglers, ils n'ont jamais réussi à se rendre en deuxième ronde en série. Okay. Donc, il y a eu une carrière comme deux grosses saisons avec les Wranglers de Calgary, qui n'existent plus en passant. Là. Ils ont comme changé d'histoire là-dessus. Là. Mais donc, c'est pas une grosse carrière junior. Mais deux bonnes saisons, repêché en 10e ronde. Donc le potentiel n'est pas évident quand tu es repêché en 10e ronde. Il ne doit pas y avoir grands joueurs qui ont réussi à faire des longues carrières dans la Ligue nationale quand ils sont repêchés en 10e. Tu sais, il y a tout le temps des surprises. Il y a des surprises, mais ils sont rares. Puis lui, c'est ça, vous allez voir que ce n'est pas exactement une surprise. Donc, quand il a fini sa carrière junior, il s'est rapporté, parce qu'il appartenait donc au Nordique de Québec, il s'est rapporté à l'Express de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, en 85-86. Donc, c'est le club-école des Nordiques de Québec. Et malheureusement, il s'est cassé le poignet en février 86, ce qui l'a fait manquer quelques matchs, mais il a complété sa première année de manière modeste avec Fredericton, avec 11 buts, 37 points en 61 matchs. Donc, tu sais, ça y allait mollo. Il venait d'arriver de 2 saisons en haut de 100 points dans le junior. Ouais. Il arrive à Fredericton, puis ça ne lève pas, OK, pour le début. Donc là, il va partager son temps entre la Ligue nationale
Et la Ligue américaine l'année suivante, donc on parle de 86-87. Je peux te dire une petite parenthèse? Oui, oui, vas-y. Il jouait avec... Il a joué avec Alain Lemieux, okay. Le frère de Mario. Dans quelle équipe, ça? Fredericton. Ah, mais Colin, c'est qu'on salue, le frère de Mario. Alors, là, c'est fantastique. On vient d'apprendre que Ken Quinney a joué avec le frère de Mario Lemieux. Ouais, c'est tout dépendamment de votre définition de fantastique. C'est fantastique, moi. Ouais, c'est fantastique. C'est fantastique. Ah oui, c'est... Non, OK. Fait que... Pas tant. 86-87. Il partage donc, comme je vous dis, son temps entre la Ligue nationale et la Ligue américaine pour la première fois. Et avec Fredericton, il fait 41 points en 48 matchs. Donc là, ça va beaucoup mieux. Et on peut peut-être remercier Alain Lemieux. Et ensuite, il fait juste 9 points en 25 matchs avec Québec. Fait qu'avec Québec, ça, tu sais, là, peut-être qu'il n'était pas dans une bonne position, une bonne ligne. Mais on remarque. Ses débuts avec le Fleur d'Élysée, ils ont été fort prometteurs parce qu'il fait 4 passes dans ses 2 premiers matchs. Donc, c'est 3 passes puis 87-88. Oui. Fait que, tu sais, ça commence fort. Mais ensuite, l'année suivante, donc 87-88, il y a une décision qui va influencer, on dirait, de ce que j'ai pu trouver, parce qu'il y a peu d'informations sur Ken Quinney, que ça aurait influencé négativement sa carrière professionnelle. Parce que selon le site Hockey Draft Central, il aurait refusé d'être promu au Nordique de Québec en 87-88, c'est vraiment rentré dans l'équipe de Québec pour de bon, parce qu'il ne voulait pas jouer dans une équipe perdante. Alors qu'il connaissait une excellente saison avec Fredericton dans la Ligue américaine. C'est ça qui est écrit dans le Hockey Draft Central. Je n'ai pas d'autres preuves, mais c'est ça qui est écrit. Donc, de ce fait, quand il était avec donc, Fredericton, il a récolté 37 buts, 76 points en 58 matchs. 37 buts en 58 matchs, c'est pas rien. Donc, son choix de ne pas se rapporter complètement au Nordique, selon Hockey Draft Central, ben, il aurait juste joué 15 matchs avec Québec, puis il a eu juste 4 points. Ouais, ça arrive, ça, des fois. Quoi. Donc, Max Pacioretty a déjà fait ça. OK, fait que, en tout cas, il y a... Tant qu'il n'avait pas joué à Montréal, juste à la troisième ligne, quatrième ligne, laissez-moi à Hamilton. Ouais, fait que, en tout cas, on dirait que... Puis ça, c'est plate, parce que peut-être ça a vraiment joué sur la suite de sa carrière. Donc là, ce qui est arrivé, c'est que son vœu a été exaucé, on dirait, parce qu'il a joué dans les mineurs, dans 88-89, et c'est juste ça qu'il a fait. En 88-89, il a joué pour les Citadelles de Halifax, qui était le club école des Nordiques, mais qui avait transféré de Fredericton à Halifax. Et donc, il a fait 41 buts, 90 points en 72 matchs. Donc, ça allait très bien. Okay. Donc là, l'année suivante, en 89-90, on dirait que c'est blessé parce qu'il a juste eu 25 points en 44 matchs. OK? Donc, selon moi, il y a eu une blessure, là, mais je n'ai pas pu trouver de preuve de ça. Donc, en 90-91, il s'est repris avec 20 buts, 40 points en 44 matchs. Et il a fait un dernier tour de piste avec les Nordiques de Québec, 7 points en 19 matchs. Et ce qui était écrit aussi à l'époque, c'est qu'il avait manqué plusieurs matchs à cause d'une blessure au pouce. Puis qu'est-ce qui est spécial que tu vas pouvoir trouver sur YouTube, c'est que les vidéos où est-ce qu'il y a Ken Quinney avec les Nordiques de Québec, des fights. C'est des batailles. Ouais. C'est des bagarres. C'était pas un bagarreur. Fait que peut-être qu'il avait pas le choix dans l'alignement d'essayer de se battre. Là, mais il s'est blessé en se battant, en passant. C'est ça que j'avais trouvé, il me semble. Mais des joueurs obscurs de même, là, quand tu cherches des vidéos, ben, c'est souvent juste des fêtes, même s'ils se battaient pas beaucoup. Hein. Ouais. Ça, c'est parce qu'il y a des gens qui adorent tellement les bagarres qu'ils vont se forcer à trouver des vieilles games puis juste prendre des extraits. Non, mais pas rien que ça. Il y a des sites qui compilent les stats de leurs fêtes. Mettons... Même les joueurs vedettes, mettons Paul Kariya, 8 combats, 3 défaites, 5 victoires. C'est genre, il y en a qui sont vraiment énervés là-dessus. Ouais, il adore ça. Fait que on a beaucoup de traces des bagarres, puis tout ce qui est autre chose, ben c'est pas populaire. Fait qu'il n'y a pas des fans finis qui le font de façon volontaire. Là, tu sais, là. Tous les buts, toutes les passes. Oui, ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui est arrivé en 91? Donc, il finit un peu son parcours avec les Nordiques et leur club école. Et il avait quand même eu des bonnes saisons avec les clubs écoles. Fait que là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il signe comme agent libre avec les Red Wings de Détroit en 91-92. D'accord. Mais il va juste jouer avec leur club école d'Adirondack. Donc, il va toutefois en profiter pour obtenir 31 buts et 60 points en 63 matchs, OK, en saison régulière en 91-92. Et en plus, 19 points en 19 matchs en série pour aider son équipe à gagner la Coupe Calder. OK. OK.
Et il a fini, la finale s'est terminée dans un septième match contre les Maple Leafs de St. John's. Donc, quand même intéressant qu'il a gagné en septième match avec donc, son équipe. Fait que là, il y a, pour la première fois, il y a un trophée. Il y a pas, dans le junior, il n'y a rien eu. Ouais. Puis après, mais là, il arrive dans la Ligue américaine puis il gagne la Coupe Calder, le top des tops de la Ligue américaine. Fait que là, qu'est-ce qui est drôle de cette Coupe-là en 91-92? On remarque que le routier que tu connais très bien, Mike Sillinger, avait alors explosé avec 28 points en 15 matchs en série pour Adirondack. Et puis Quinney avait eu 19 points. Fait que c'est intéressant quand même voir l'explosion. Puis, c'était qui le gardien partant d'Adirondack, selon toi? Je sais pas, Chris Osgood. On n'est pas proche. On va dire le petit Alan... Ah, Bester. Oui, Alan Bester. Donc, pour les 19 matchs, c'était Alan Bester qui a gagné donc, la Coupe Calder. On le félicite. J'espère qu'il comprend le français. Donc, félicitations, Alan Bester. OK, Ken Quinney. Les jokes de mon oncle. Woo! Non, c'est parce que... Ouais. Il n'y a pas trop. Donc, Ken Quinney, il a connu une autre bonne saison à Adirondack entre 92-93, où est-ce qu'il a récolté des statistiques similaires. Donc, 32 buts, 34 passes, 66 points, 63 matchs. C'est pas mal à un point par match. Mais plutôt que de continuer à rouler sa bosse dans la Ligue américaine, il a décidé de signer comme agent libre avec le nouveau Thunder de Las Vegas de la Ligue internationale en 93-94. Et c'est là qu'il va complètement exploser. Obtenant 55 buts, 108 points en 79 matchs, en compagnie de Patrice Lefebvre et Radek Bunk, demi-sénateur d'Ottawa, bien sûr. Donc, son équipe est a terminé première de la Ligue en saison régulière en 93-94 avec 52 victoires, 115 points en 81 matchs, mais elle s'est faite stopper net en première ronde. Donc, ils ont perdu 4-1 contre les Gulls de San Diego, qui étaient menés notamment par le journeyman Yaro Duskalde, qu'on connaît bien. Ouais, ouais. Donc, lui a joué entre 90 et 2008 dans les ligues professionnelles et aussi nationales. Et un défenseur américain dans les Gulls du nom de Peter Laviolette, qui est encore entraîneur-chef à ce jour. Donc, c'est quand même intéressant de voir des gros noms qui sortent dans un parcours de joueurs obscurs. Par la suite, Ken Quinney, toujours avec le Thunder de Las Vegas, il a connu 4 années productives avec des saisons de 40 buts, 33 buts, 27 buts, 34 buts, mais il n'a jamais atteint de nouveau le plateau des 100 points. Au cours de ses 5 années avec le Thunder de Las Vegas, il a récolté 189 buts en 376 matchs, ce qui en fait le meilleur buteur de l'histoire de la franchise. Okay. Il a été aussi le deuxième meilleur pointeur de l'équipe avec 413 points, alors que son coéquipier Patrice Lefebvre a fini premier avec 553 points en 429 matchs. Donc, entre 94 et 98, le Thunder fini premier de sa ligue à deux reprises, en 93-94 puis en 95-96. Et il a toujours fait les séries, mais il n'est jamais arrivé à dépasser la troisième ronde. Juste te dire aussi, là, Patrice Lefebvre, faut que je vérifie, là. La ligue... C'est le meneur, si je ne suis pas mal sûr. Oui, c'est ça. C'est aussi le meneur pour les points dans l'histoire de la LHGMQ. OK. 595. Donc, on salue Patrice. Tout un parcours. Stéphane Lebeau en deuxième, 580. Et Mario Lemieux, cinquième de la liste avec 562 points, mais il a joué une année ou deux de moins. Ouais, quand on entend ça, oui, c'est ça. Mais Patrice, je pense Lefebvre, que s'il avait joué à notre époque, je pense qu'il aurait été à... Il aurait brûlé complètement la Ligue, là. Ça aurait été hallucinant. C'est encore plus que qu'est-ce qu'il a fait. Mais qu'est-ce que c'est une autre époque. Donc, je vais signaler quelque chose d'intéressant. On va mettre une vidéo. Si tu veux, on peut même la chercher. Ouais. C'est que Ken Quinney, c'était un joueur populaire à Las Vegas. Puis il participait... Oublie pas, c'est Las Vegas. OK? Donc, il participait aux campagnes marketing de l'équipe qui était très haute en couleur. Et j'aimerais ça qu'on cherche, donc, il y a une vidéo qui a fait, qui est sur YouTube, où est-ce qu'on le voit en train, donc, d'inviter les partisans à suivre le Thunder de Las Vegas. Et c'est avec vraiment l'infographie des années 90. Ah ouais, ça, et en plus, c'est Las Vegas. Donc, ça, c'est assez spécial. Ah, ouais, ça, c'est mon style. A member of the Las Vegas Thunder. I want to show you the essential equipment to use by a hockey player. These are my shoulder pads. It doesn't hurt as much when I wear it.
You should always wear your helmet. This is the most important piece of equipment. Watch the Thunder live on Metro One Saturday, September 30th at 7 p.m. Fait que tu vois que c'est comme, c'est aussi, on voit que c'est une promo pour sensibiliser des gens de Las Vegas à c'est quoi le hockey, les gens du Nevada. C'était la première équipe de Las Vegas. Exactement. Donc, tu vois qu'il a comme servi un peu de porte-parole, puis ils ont vraiment des publicités super drôles qu'on pourrait mettre là, de cette époque-là. Ils ont fait plein de documentaires, j'en ai vu plein. Même avec Patrice Lefebvre, j'en ai vu. C'est ça. Donc, on voit que Ken, c'était pas quelqu'un qui était aussi flamboyant dans ses pubs, très... Ouais. Comme ça. Donc, quand il a fini sa carrière avec le Thunder de Las Vegas, donc après la saison 97-98, on remarque que Las Vegas n'a pas réussi à se rendre en série pour la première fois de son histoire. Et ça a été justement 98-99 qui était la dernière saison de la Ligue. Ouais. Donc, quand il est parti, ils ont fait une mauvaise saison, puis ça a fini. De l'équipe. De l'équipe, c'est ça, excuse-moi. HL a duré encore une couple d'années. Ouais. Ben, en tout cas, ici, c'est écrit que c'est ça. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de chercher un autre poste dans une ligue du continent nord-américain, Ken Quinney, il s'est tourné vers l'Europe. Et je pense que c'est parce qu'il y avait des anciens coéquipiers qui étaient partis là-bas. Fait que là, il a signé avec les Lions de Francfort en Allemagne. Donc, il a décidé d'aller en Allemagne, pas en Suisse, pas, tu sais, en... les Ligues du Nord, là, il est allé vraiment en Allemagne, à Francfort, et il s'est joint à une équipe qui comptait sur d'anciens joueurs de la Ligue internationale, justement, comme Lynn Barry, que tu connais, premier marqueur de l'équipe des Lions de Francfort en 98-99 à 59 points en 41 matchs. Le Montréalais Daniel Shank, peut-être que c'est un nom qui te revient, là, pis, ouais. Et Bob Sweeney, donc anciennement des Rafales de Québec en 96-97, entre autres. Et je l'ai mis. Entre autres, des Rafales et des Bruins. Mais vous allez voir qu'il va, il va réapparaître, c'est pour ça que je l'ai mis. Okay, là. OK. Fait que donc Bob Sweeney qu'on salue. Donc, Ken Quinney, il a connu trois saisons relativement bonnes avec les Lions de Francfort, récoltant 107 points, dont 50 buts en 152 matchs. Donc, 107 points, 152 matchs. C'est pas super. Mm-hmm. Par contre, son équipe ne fit les séries qu'une seule fois en 99-2000 et elle s'est faite éliminer en première ronde par les éventuels gagnants de la Coupe allemande, que j'ai pas le nom, là, cette année-là, en 99-2000, à savoir les Barons de Munich, qui pouvaient compter sur le prolifique joueur des Ligues mineures Mike Castleman, qui est un ancien troisième choix au total des Red Wings dans le repêchage supplémentaire de 90, OK? Et un des trois joueurs de ce repêchage à avoir joué des matchs en Ligue nationale. Donc, okay. Le repêchage de 90, il y a juste trois joueurs qui ont réussi à se rendre en Ligue nationale, à jouer un peu, puis Mike Castleman y en fait partie. Le repêchage de 90. Supplémentaire. Supplémentaire. Oui, c'est ça. Donc, puis il y avait dans l'équipe des Barons de Munich un ancien coéquipier de Quinney en la personne de Bob Sweeney. Donc, okay. Bob Sweeney l'a trahi en jouant pour Munich. Ça se peut-tu, Bob? Bob, pas fier de toi? Donc, un autre fait intéressant à souligner, un des gardiens des Lions de Francfort, lors de l'unique apparition en série de Ken Quinney avec Francfort, fut le légendaire portier Eldon Pocket Riddick. Je vois encore, hein, c'est ça. Ouais, donc là, il était là. Moi, j'étais comme, oh my God, c'est ça son goaler. Donc, Pocket Riddick, yeah, on le salue. We salute you, Eldon. Ça fait pas mal de name-dropping dans cette vidéo. Ah, j'adore ça, j'adore name-dropping. Woo! Donc là, ensuite, suite à sa retraite en tant que joueur professionnel à la fin de la saison 2001, il a retourné vivre à Las Vegas pour devenir entraîneur dans le hockey junior de la région. Et c'est là que je veux vous signaler des affaires intéressantes. Parce qu'on ne peut pas parler de Ken Quinney sans parler de ses deux fils issus de son fameux séjour avec le Thunder de Las Vegas. Donc, deux attaquants qui ont même joué lors du tournoi Pee-wee de Québec, selon un article du Soleil paru en 2011, que je peux vous l'envoyer, là, je l'ai mis justement dans mes sources. Parce qu'il va y avoir un article qui va sortir sur La vie est une poque là-dessus, là, ce que je vous raconte là. Okay. Donc, né dans la ville du Vice en 1998, donc il est encore là, Landon Quinney a suivi les traces de son père en tant que joueur de hockey à l'attaque, mais il n'y avait pas de position principale à l'attaque. C'est juste écrit « forward », il est juste attaquant. Donc, il a cependant connu une courte carrière d'attaquant sans histoire dans le junior majeur. Il est allé dans les Warriors de Moose Jaw en 2015-2016, aux Sea Dogs de Saint-John dans la Ligue du Québec pour deux petits séjours de 35
et 27 matchs. Ça, c'est matchs London? Oui, en 2016, de 2016 à 2018. Fait que là, le gars, il a joué dans la ligue complètement à l'ouest du Canada, puis il est allé ensuite à l'autre extrémité du Canada avec St. John. Donc, il n'avait pas la touche de marqueur de son père, mais je voulais vraiment le signaler. Il a fini sa carrière de hockeyeur en beauté en remportant la Coupe Canadian Tire de la Ligue Junior A des Maritimes avec les Mariners de Yarmouth en Nouvelle-Écosse qui ont écrasé donc, les Tigers de Campbellton 4-0. On les salue, je pense, en 2019, si je ne me trompe pas, à peu près, ou 2018. Là, donc, une belle victoire. Donc, quand même, là, on a Ken qui a gagné la Coupe Calder. Et on a son fils qui finit sa carrière avec une coupe dans la Ligue Junior A. OK? Pas super. Wow! Hey, hey, oh, hey! Quand même, c'est mieux que moi. Ouais. C'est sûrement mieux que toi aussi. On les salue. Donc, pour sa part, là, il y a un autre fils, Gage. Donc, c'est le grand frère de Landon, ouais, qui est encore actif en 2023. Et il représente le premier joueur natif du Nevada à avoir joué dans la Ligue nationale de hockey. Donc, il est né en 1995 à Las Vegas. Il a joué avec les Knights aussi. Oui, exact. Ouais. Non, c'est juste avec les Knights que je veux. Donc, né en 95, le joueur de centre, Gage Quinney, a joué toute sa carrière de junior dans la WHL, la Western Hockey League, et il a remporté au passage la Coupe Ed Chynoweth de 2015 avec le Rocket de Kelowna, en compagnie de coéquipiers notables tels que le défenseur Josh Morrissey, qui est un choix de premier rond des Jets de Winnipeg en 2013, qui rock. Et surtout, l'attaquant allemand Leon Draisaitl, meilleur pointeur de la Ligue nationale en 2020. Donc, quand même, il a joué avec du bon monde, tu sais. Et donc, il a quand même gagné la Coupe. Donc là, on est les trois qui ont gagné le coup. Non repêché par une équipe de la Ligue nationale. Donc ça, c'est intéressant. Ken a été repêché en 10e ronde. Son fils Landon, il n'a pas été repêché par tout parce que ça n'a pas fonctionné. Et là, Gage n'est pas repêché. Mais Gage, il a signé, quand il a fini sa ligue, ses contrats juniors, il a signé avec les Penguins de Pittsburgh, qui l'ont envoyé dans la ECHL avec les Nailers de Wheeling pour la saison 2016-2017. Il a été promu l'année suivante aux Penguins de Wilkes-Barre Scranton en 2017-2018 comme joueur de soutien avec 33 points en 57 parties. Donc là, il part de la ECHL. Va dans la Ligue américaine, OK? Un grand moment pour la famille Quinney est survenu en juin 2018, alors qu'il signa avec nul autre que son équipe locale, les Knights de Las Vegas. Donc, il était avec Pittsburgh, il s'en va avec les Knights. Et il va se rapporter aux Wolves de Chicago, dans la Ligue américaine, qui a aidé notamment à se rendre en finale de la Coupe Turner contre les Checkers de Charlotte en 2019. Donc, il a failli gagner la Coupe Calder. Calder, oui. En février 2020, il réalise son rêve de jouer dans la Ligue nationale sous le regard fier et anxieux, parce que c'est vraiment ça qu'il décrit dans les journaux de l'époque, de son père à Las Vegas. Donc, bien qu'il fût mémorable pour sa famille, son séjour fut toutefois de très courte durée. Il a récolté une passe en trois parties dans l'uniforme des Chevaliers du désert. Donc, depuis 2020, Gage, il continue de rouler sa bosse dans la Ligue américaine avec les Silver Knights de Henderson, ouais. Et on lui souhaite de réussir à revenir pour de bon dans la Grande Ligue, quand même, parce qu'il est encore jeune. Donc, en bref, Ken Quinney et sa progéniture, c'est tous des joueurs d'attaque, n'ont pas encore réussi à s'enraciner dans la Ligue nationale, mais ils se sont tous illustrés lors de leur parcours professionnel en remportant des championnats. Donc, que ce soit le père avec la Coupe Calder, avec Adirondack à 92, l'aîné qui est Gage avec la Coupe Ed Chynoweth Kelowna en 2015, et le cadet avec la Coupe Canadian Tire à Yarmouth en Nouvelle-Écosse en 2019. Donc, Ken continue en ce moment de former des joueurs au niveau junior à Las Vegas, où est-ce qu'il habite, puis tout. Et Gage, lui, il a encore des chances de retourner dans la Ligue nationale. Et justement, on va finir avec ça. Et quoi de mieux que la chance comme allié naturel de la première famille de hockey de Las Vegas? Alors, pour l'aîné, moi, je Gage un petit vin. Oh! Oh! Oui, j'ai fait la joke de mon oncle. On Gage, on Gage, on Gage. On gage-tu que je vais la couper au montage? Non, il ne faut pas qu'il coupe ça. Non, je vais garder ça. C'était très bon. Belle finale. Ben, belle merci, finale. Merci. Fait que c'est ça, Ken. On est content que là, on va avoir du stock à dire sur toi, parce que sur Internet, on ne trouvait presque rien. Puis moi, j'espère ouais, que... Ouais, quand même, tu as réussi à trouver. Je suis étonné que... Mais,
ce que je retiens le plus, c'est qu'il n'a pas voulu jouer avec les Nordiques. Souvent, tu ne voulais pas jouer avec les Nordiques parce que c'était... Je pensais que tu allais dire parce que c'est au Québec. Je parle pas français, fuck you. Ou ben, je ne veux pas payer d'impôts. Tu sais, ces affaires-là. Ouais, c'est souvent ça qu'on attendait. Ouais. Là, non, lui, c'était parce que vous êtes juste poche. Puis je veux jouer il voulait jouer dans les Maritimes. Ouais, c'est ça. Fait, mais comme je vous dis... La seule source que j'ai, c'est Hockey Draft Central. J'ai regardé sur... Je pourrais pas être sûr et certain de c'est parlais, tout ce que j'ai. Pendant que tu parlais, je cherchais dans les archives de journaux, puis je l'ai pas... j'ai rien vu là-dessus. C'est ça, il y a presque rien sur lui. C'est à... Parce que tout ce que, quand tu parles de joueurs de Nordique ou du Canadien, tu vas sur la Bank, là, les archives nationales, puis tu peux pas mal trouver plein d'articles de journaux. Puis à Québec, là, il parlait des Nordiques non-stop. Fait que, d'après moi, il faudrait vraiment trouver... Selon moi, ben, regarde, la BNQ, ils vont parler de la presse, il va avoir le devoir, mais il y aura puis le soleil, mais il n'y aura pas le Journal de Québec, il n'y aura pas... Tu sais, d'autres gros journaux, ils ont refusé d'être là-dedans, de ce que je comprends. Là, fait que mais quand même, ça manque, parce que si on avait Montréal Matin... puis le Journal de Montréal, moi, le Journal de Québec, c'est vraiment trois gros journaux, puis on n'a pas les archives. Là, il y aurait vraiment des choses intéressantes là-dessus. Fait que peut-être pour le sport, là, moi, je ne lis pas le Journal de Montréal à part pour le sport. Peut-être. Mais peut-être qu'il y a du stock qui est sorti sur Ken Quinney dans les journaux de New Westminster, en Colombie-Britannique, puis tout à l'époque, parce que c'est un joueur local. Non, je pense pas me rendre là-bas pour chercher. Non, peut-être pas, mais en tout cas, Ken, I know that you don't understand what we're saying, but we're very proud for what you've done in your career, and we wish the best for your two sons. Donc, j'espère que la traduction va être en dessous. Non, il verra jamais. Arrête. Ken, can you sign my card? Arrête. Ken! OK, on passe à d'autres choses. Oui. Il est tout le temps en train de saluer les joueurs puis de dire hey, « Bonjour, j'espère que tu comprends le français. » Non, il verra jamais ce qu'on fait. Il va se forcer obscur à fucking non, obscur. Il va se forcer à apprendre le français juste pour être fier de nous comprendre. Non, je veux pas qu'il... I am proud of you. Arrête, est-ce qu'il y a 30 personnes qui regardent le podcast? Vous salue tous et toutes! Ouais, mais pas Ken Quinney, il ne verra jamais. Ken! Faites-lui signe que je suis en train de parler de Ken Quinney et de ses enfants. He rock. Je suis fier de lui, je suis fier des autres. All right, go Ken. Donc là, on passe à un autre segment. Oui, enfin. On fait un quiz. Oh! On a chacun préparé 5 questions. Oui. Des questions hardcore de geek de hockey. Et on c'est qui va gagner. C'est ça le but du quiz. Tiens. 5 questions chaque. Je commence. Oh. Je te donne faut que tu devines le joueur. Devine ce joueur. OK. Oh boy. Mais je te donne juste les années puis l'équipe où ce qu'il a joué. C'est tout ce que je te donne. Hey boy, OK. Donc 82 84. Oui. Avec les Red Wings. Puis on va les mettre à l'écran en même temps. Red Wings. 82-84. Oui. Flyers, 84-91. Donc, Flyers, 84-91. OK. 91-93 avec les Whalers. Hartford. OK. 93-94, une seule saison avec les Canucks. OK. De 94 à 97 avec les Blackhawks. Ah oui. OK. Mon Dieu. Puis ensuite, sa dernière équipe, 97 à 2000. Tant que ça. Avec San Jose. Qui est-ce? Oh my God. Wow. OK, c'est un joueur. C'est un attaquant. Je te donne ça comme c'est un attaquant. Ah, merci, c'est gentil. OK, un attaquant qui aurait tout. Fait que ça veut dire qu'il a joué avec les Flyers de Philadelphie dans les coupes. Ben, il n'y a pas dans les finales. Non, mais il y a des finales contre Edmonton, ça, c'est certain. Quand je vois ça, je vois Flyers Hartford, je pense à Brian Propp, mais il n'a pas joué avec les Red Wings, puis il n'a pas joué avec les Canucks. Oh boy, un attaquant. Chicago, San Jose, qui aurait fini avec San Jose. C'était-tu un plombier? Une seconde, un Red Wing qui est parti. Et boy, attends, ah, mon Dieu. OK. Non, il... mets-les en rapide pour montrer que je serais... Non, mais on va jouer avec le... Je te laisse le temps, je te laisse le temps. On va jouer. Oh my God. 80... Il jouait avec les Canucks quand ils ont fait la Coupe Stanley? Contre les Rangers? Oui, il était en finale avec les Canucks. Ah, oui. Il était en finale avec les Canucks, puis deux fois avec les Flyers dans les années 80. OK, c'est ça. Finale, puis finale deux fois. OK. C'est un attaquant. Pas...
Moi, Merrick Raven. Yes! Merrick Raven! J'ai sa carte. Wow! Hey, j'ai jamais vu celle-là. Ça doit être dans le deuxième set. Non, c'est sûr, tu as déjà vu cette carte-là. Non, c'est ça, c'est-tu le deuxième set? Je sais pas. Ça se peut que ça soit la... C'est peut-être pour ça que je l'ai jamais vu. Vraiment cool. Ben, s'il y a l'insigne... ouais, c'est le deuxième. Ah, c'est pour ça que je l'ai jamais vu. Deuxième question. Théorène Fleury. J'ai sa carte. Oh boy, ouais, lui. OK. Ouais, ça va pas bien ses affaires aujourd'hui. Oui. Mais dans le temps des années 90, on l'aimait bien. OK, avant qu'il devienne fou, d'accord. Avant qu'il devienne conspi de droite. Mm-hmm. Donc, Théorène Fleury, il a terminé au premier rang des pointeurs des Flames en 96-97. Attends, OK, 96-97. C'est pas important tant que ça. Ah, mais avec 67 points. C'est rien que pour te dire c'est qui le premier. Okay. Mais qui était le deuxième chez les Flames en 96-97? Ah! Ah, phew, tu me donnes des chances. Je vais te répondre. Est-ce que c'est Jarome Iginla? En 96-97? Valérie Buré? German Titov? Ou Dave Gagné? OK, peux-tu répéter? Juste les prendre en note, là. Oui, Iginla. Iginla, attends, tu comprends, Iginla, oui. Valérie Buré? Buré. Le frère de Pavel? Mm-hmm. German Titov? Ah, German Titov, oui, oui, OK, je me rappelle de lui. Puis Dave Gagné. Dave, il m'a gagné. OK. Moi, à première vue, je vais aller plus vite pour cela, j'irai pour Titov. Non. Ah, c'était-tu Buré? C'était... Dave Gagné. Dave, il m'a gagné, puis il m'a magané. Non, mais t'as pas le droit. Très productif. Je pense que c'était même une de ses meilleures saisons cette année-là. 27 buts, 33 passes, 60 points. Ah oui? Oui. Ça, c'est quand même un joueur... Valérie Bourré était encore à Montréal. Ça, ah. C'était une crosse. Oh. Puis Titov, c'était le troisième. Vous avez vu ce qu'il a fait? Iginla n'était pas encore super bon. Il jouait quand même? Il n'était pas comme oui, juste dans le club école ou quoi que ce soit? Non, il était là. OK. Et ça, je pense que c'était sa première année ou sa deuxième. Ah, mais non, ça, je le... Non, je pensais que c'était Titov. Il était-tu loin, Titov? Non, c'est ça, il était dans le top 5. Là. OK. Ah, maudit. All right. OK, là, je suis un sur deux. Troisième question. Une seule de ces franchises existait durant la saison 1934-35. Ben là... Je te nomme cinq équipes. Oui. Il y en a juste une qui était encore active à ce moment-là. OK. A, les Sénateurs d'Ottawa. Sénateurs. B, les Falcons de Détroit. C, les Eagles de Saint-Louis. OK. D, les Falcons de Cleveland. T'as Falcons de Cleveland. Je savais pas que ça existait, là. OK. Et E, les Pirates de Pittsburgh. OK. De Pitts. OK. Fait que là, tu m'as dit, c'est les Sénateurs d'Ottawa. Ouais, je répète. Les Sénateurs d'Ottawa, les Falcons de Détroit, les Eagles de Saint-Louis, les Falcons de Cleveland et les Pirates de Pittsburgh. Lequel qui existait en 1934-35. Moi, je pense que... parce que je suis un partisan des Sénateurs, puis j'espère que je vais faire honneur à ma partisanerie. Il me semble que les Sénateurs n'étaient plus là, en 34-35. Il me semble qu'ils étaient devenus les Eagles de Saint-Louis. Puis je pense que c'est leur seule saison, ou quelque chose de même en 34-35. Fait que moi, j'irai pour les Eagles de Saint-Louis. C'est ça! C'était moins dur que je pensais. Yes. Ben, c'est parce que j'aime les Sénateurs. Sinon, si tu avais posé une question c'est sur exactement ça. Les Eagles de Saint-Louis ont fait une saison, puis après ça, ils sont morts en 1934-35. Les Falcons de Détroit, c'était l'ancien nom des Red Wings. OK. Les Falcons de Cleveland, c'était dans une autre ligue. C'est ça, il me semblait. Les Pirates de Pittsburgh, eux, ils ont déménagé à Philadelphie en 1930. OK. Donc, bravo. Deux sur trois. Deux sur trois, oui. Mais c'est ça. Je connais beaucoup d'informations sur les Sénateurs. Ouais, j'aurais dû me douter. Mais c'est correct, il n'y a pas de trip. Mais moi, je suis content. Go, Sens, go! Ils vont bien. Woo! Ouais, ils reprennent du poil de la bête. OK. Quatrième question. Laquelle de ces villes n'a pas eu d'équipe dans l'AMH? OK, attends. Ville, pas AMH, tu dis? Oui. Oh, ça va être compliqué, ça. Les années 70. Oui. J'ai Jacksonville, okay. En Floride. Uh-huh. Calgary. Let's go. Jacksonville, Calgary. Baltimore. Ouf. Et Philadelphie. Ah, oh, tu m'en donnes juste 5. Baltimore. Juste 4. 4, excuse-moi, je ne peux pas calculer. C'est dur de compter. OK. Fait que selon moi, l'AMH, je sais qu'il y en a eu une à Calgary. Ça, c'est sûr. C'est les trois autres, je ne suis pas sûr à 100%. Je pense que Philadelphie ont une équipe. J'essaie juste de me souvenir c'était qui.
mais je ne prendrais pas Philadelphie. C'est entre Baltimore et Jacksonville. Puis moi, j'irais pour Baltimore. Non! Ah! C'est Jacksonville. Ah, oh, c'était proche, c'était proche. Baltimore, il y a une équipe, moi. Il y a une équipe, mais vraiment pas longtemps. C'était okay. Les... Je vais vous le dire là, maintenant, on va couper au pire. Il y avait... Voyons, Baltimore... Les Blades. Les Blades de Baltimore, en quelle année, ça? 1974-75. OK, ils n'ont pas dû faire grand-chose. Ils ont, en fait, ils ont commencé la saison. Ah! Oh. Ils ont déménagé pendant... À Détroit, c'était les Stags du Michigan. Mm. Ça a foiré. Puis ils ont déménagé en plein milieu de la saison à Baltimore. Puis c'est, ça a duré quelques semaines, puis c'était fini. Quelques semaines? Mais ils ont existé. Jacksonville n'ont pas existé. Ouais, t'as raison, t'as raison. OK, OK. Fait que Baltimore, mais c'était comme un flat tire en feu. Mais c'est quoi, la franchise a fermé, ça, tu veux dire? Ouais, je pense. OK. Ouais, ils sont pas là. Ouais. Ah. Et dernière question. Oui. Devine ce joueur comme la première, mais différent. Choix de première ronde des Mighty Ducks okay. En 1995. Attends une seconde. Première ronde, Anaheim, OK. 95. En 95. C'est un Ontarien. Jouait au centre, 6 pieds 4. 6 pieds 4? Ouais. OK, quand même. Il a joué pour 4 équipes canadiennes, dont les Jets et le Canadien. Je t'en donne 2. OK, attends une seconde. Winnipeg... l'autre, c'est qui, Montréal? Oui. Au total, 4 équipes canadiennes et d'autres équipes, là, je ne te dis pas toutes. Et son sommet en carrière, c'est 28 points en 2005-2006 et 2006-2007. Il y a eu deux saisons de 28 points d'affilée. 2006, puis 2006-2007. OK. 28 points. Puis, il a déjà été impliqué dans un échange avec Timo Solané. Et un autre échange plus tard avec Christian Laflamme. C'est l'année. Puis Laflamme, ça me dit de quoi, là? Ben, il a joué pour le Canadien aussi. Ouais. Et les Oilers. Donc, c'est tous les indices que tu as. Il faut que tu me trouves le joueur. Tu as 5 secondes. Moi, je dirais... je suis pas mal sûr sur un défenseur. Mais... Ah non, tu m'as dit que c'était un centre, maudit. Ouais, attends, joueur de centre, c'est plus cher. Poche, là, je viens de me planter alors qu'il m'a donné l'info. OK, c'est un grand Jack. Anaheim. Anaheim en 95, qu'est-ce qu'ils ont pogné? C'était-tu Chad Kilger? Oui! Ah! God. Ah ben ouais! Bon, je pensais vraiment pas que tu l'aurais. Yes! Yeah! Woo! Chad! Chad Kilger! Alors voilà, t'as bien fait, man. 3 sur 5. C'est bon. Ouais, ouais, ouais. God. En tout cas, on te salue, Chad. On sait que tu nous écoutes à tous les jours, donc... Hello, Chad, and you are very good, and we wish you the best. C'est bon? Mettre des S à la fin, c'est ça que ça démontre qu'on est en anglais. OK. Tes questions? J'essaie de dire de couper dans le temps, mais remercie tout le monde. J'aime ça, remercier. Salut tout le monde. On remercie le temps qui coule. Ouais, merci. Et qui file. Ouais. Trouvez l'intrus. Avant d'être entraîneur des Oilers d'Edmonton, Glenn Sather a été ailier gauche. Okay, donc, Glenn Sather a été lié gauche au sein de plusieurs équipes de la Ligue nationale. Parmi les équipes suivantes, quelle est celle pour qui Sather n'a pas joué? OK? Donc, je te donne 5 choix d'équipes et il y en a une là-dedans que Glenn Sather n'a jamais joué pour eux autres. Les Flames d'Atlanta. Les North Stars du Minnesota. Shit, my God. Les Bruins de Boston. Les Rangers de New York. Et les Canadiens de Montréal. Montréal, je sais que oui. Les Bruins, sûrement. Hey, fuck, c'est dur. North Stars, je pense que oui. Les Flames. J'hésite entre les Flames et les Rangers. Je sais pas. Je vais dire les Flames. Et on a un victorieux. Yeah. Donc, les Flames de l'Atlanta, il n'a pas joué pour eux autres. Ben c'est ça, il était rendu pas mal vieux quand les Flames sont arrivés. Fait que, il a joué pour les Oilers dans la AMH. Puis, tu sais, c'était vers la fin de sa carrière de joueur. Fait que... Good. Ben, dans le fond, il a comme fait le tremplin entre la AMH, les Oilers, puis ensuite, il est allé avec les Oilers de Ligue nationale. Ouais. Ben, félicitations, 1-1, mesdames et messieurs. Il est en feu, comme d'habitude. On s'attend... au meilleur avec Ray Shepard. Donc, quel fut ici, je te nomme 5 joueurs. Qui fut le joueur le plus pénalisé de l'histoire des 2 saisons des Scouts de Kansas City?
Donc, ils ont juste joué deux saisons, les Scouts. OK? Donc, je te nomme cinq joueurs. Robin Burns. Richard Lemieux. Wilf Paiement. Steve D'Urbano. Un bon candidat. Steve D'Urbano. Et un certain Jean-Guy Lagacé. Donc, c'est qui le joueur là-dedans qu'en deux saisons, ça a été le plus pénalisé des Scouts de Kansas City? J'aimerais que ça soit D'Urbano, mais je pense qu'il a joué là juste un an. Jean-Guy Lagacé, je pense pas, ça me dit rien. Wilf Paiement, il se battait pas mal. C'est quoi, je pense que je vais aller avec Wilf Paiement. Mesdames et messieurs, encore en feu. Oh! Ray Shepard, 2 sur 2. C'était le meilleur compteur aussi. Ouais. Ah oui, exactement. Donc, Robin Burns, c'est 70 minutes la première année, 37 la deuxième, 107. Richard Lemieux, 64 dans la première année, puis après, il n'était plus là. Ensuite, Wilf Paiement, 101 puis 121 pour 222. On a Jean-Guy Lagacé, que tu ne connaissais pas, moi non plus, qu'on salue. 22 puis 108. Donc, il a explosé dans la deuxième saison. Et Steve D'Urbano, qui est quand même une légende des points, mais ceux qui font mal, zéro la première année, comme tu avais raison, et la deuxième, 209. Ouais. Donc, et vraiment... Il a quasiment eu pareil. Et c'est ça, fait que 209 contre 222, c'était proche. Fait que... Ça, Wilf Paiement, tous ces joueurs-là, c'est parce qu'ils ne restaient pas là longtemps, mais Wilf Paiement, c'était le premier choix, puis le meilleur joueur, fait que... Par défaut, c'est lui qui a le plus de minutes. Oui. Je ne sais pas si tu savais, mais Wilf... Mais il se battait quand même, papa. Il était quand même hargneux. Donc, maintenant, le légendaire gardien de but, Terry Sawchuk, on le connaît tous. Hein? Donc, Terry Sawchuk a joué 972 matchs pour 5 équipes de la Ligue nationale. Dans sa carrière, il a obtenu 2 passes en une saison, une seule fois. OK? Fait qu'il a fait 2 passes dans une saison. Avec quelle équipe il a réussi cette performance obscure? Que c'est ça? Obscure! Donc, est-ce que c'est... Tu peux prendre un autre. Est-ce que c'est Detroit Rock City? Est-ce que c'est Boston, More Than a Feeling? Est-ce que c'est Los Angeles, j'ai pas de nom de chanson? Est-ce que c'est les New York Rangers? Ou est-ce que c'est Toronto? Toronto. Oh! Mesdames et messieurs, est-ce que tu bêtes pour Toronto? Ben oui. Et il a raison. 3 sur 3, mesdames et messieurs. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait dire? Sawchuk, Toronto, 2 passes. Non, c'était un guess. C'était un wild guess. Je pensais pas que c'était Red Wings parce que c'était trop évident que ça aurait été les Red Wings. Fait que ce genre de question, tu te dis, c'est sûrement pas la réponse évidente. Mais ça aurait pas pu être LA non plus, mais il n'a pas joué là longtemps. Fait que... Excellent. Hey, écoute, t'es en feu. Ici, il y a de la boucane partout. Je vous dis, les pompiers d'Alma sont plus capables de tout le temps venir ici, tout éteindre. On est rendu à l'être. T'es 3 sur 3 en ce moment. T'es en feu. Je sais pas si tu veux parler à tes partisans, signer des autographes. Non. Non, ça a l'air que non. On continue. Donc, parmi... Continuer. Parmi les joueurs suivants, lequel a marqué 2 buts lors de son 1000e match dans la Ligue nationale? Fuck, man. Et je nomme 5 joueurs. David Perron, comme ils disent en anglais, David Perron, Thomas Plekanec. Il n'a pas fait 1000 matchs, mais ça. Ah oui, il l'a fait. Jeff Carter. Chris Phillips. Et l'énigmatique Sidney Crosby. Donc, dans ces joueurs-là, il y a quelqu'un qui a fait 2 buts dans son 1000e match de la Ligue nationale. Chris Phillips? Mesdames et messieurs, encore une fois, en feu total, les pompiers d'Alma sont en train de bâtir un bâtiment pour être juste à côté de Ray Shepard. Il est fucking nowhere, Chris Phillips, dans la gang. Et oui, donc c'est une un défenseur. Oui, exactement. Il ne scorait jamais. S'il faisait partie de ça, c'est clair, c'était l'intrus. Ah, ça commence à être compliqué, là. 4 sur 4. Je crois qu'en ce moment, j'ai peut-être perdu le quiz.
Mais on ne sait pas. On ne sait jamais. Oui, ouais, que je perde tous mes points l'année dernière. Donc, maintenant, j'hésite entre deux questions. Oh, je sais. Je vais poser une... J'en ai deux, fait, je vais en prendre juste une. OK. Anyway, c'est la cinquième. Parmi les joueurs suivants, quel gardien de la ECHL n'a pas gagné le trophée June M. Kelly, remis aux joueurs par excellence des séries éliminatoires de la ECHL? Comment tu veux que je sache ça? À toi. Non, c'est parce que c'est des noms connus okay. pour la majorité. Donc, Olaf Kozik. On a James Reimer, qui a joué dans la ECHL. On a un autre qui a fait une apparition dans un de nos matchs de cartes de hockey. Dan Ellis. Oh. Dan Ellis, E-L-L-I-S. On a un certain joueur, une légende des Sharks de San Jose, Wade Flaherty. On a un autre qui s'appelle Anton Khudobin, qui joue maintenant, si je ne me trompe pas, avec les Stars de Dallas. Non, je pense qu'il vient de se... Il s'est fait échanger, là. Alors, il s'est fait échanger, mais je ne suis pas mal sûr qu'il a joué avec les Stars. Oui. Et on a un autre qui vient d'un petit peu plus loin dans le temps, Nick Vitucci. Nick V-I-T-U-C-C-I Vitucci, qui est une marque no-name de sacoche pour chien. Donc, pas vraiment. Alors, je répète, James Reimer, Dan Ellis, Wade Flaherty, Anton Khudobin et Nick Vitucci. Qui n'a pas gagné le trophée de... Meilleur gardien. C'est de June M. Kelly, joueur par excellence des séries éliminatoires de la ECHL. Okay. Fait que c'est pas meilleur gardien, c'est le joueur par excellence des séries. OK. Je pense que Wade Flaherty, c'est pas lui, il l'a eu. Anton Khudobin a dû l'avoir. Nick Vitucci est tellement non-name que c'est sûr qu'il est dans la liste. James Reimer. Mesdames et messieurs, Ray Shepard s'est trompé pour la première fois. Alors, c'était Anton Khudobin, meilleur gardien de la saison 2008. Alors, c'est ça, c'était comme un... C'est pas facile, je l'aurais jamais eu moi-même. Donc, j'ai gratté les bas-fonds de l'obscurité. Ah, t'es allé creux. ICHLienne. Et comme d'habitude, je salue Anton qui nous écoute à toutes les semaines. Le chèque est dans la poste. Oh, oh. OK. C'était la fin de ce segment. On va prendre une petite pause. Après ça, on va faire quelque chose de le fun. Après ça, je m'installe différemment. Okay. Alors... On est de retour, alors c'est le moment de faire un petit segment live. Je vais vous faire la carte du jour live. C'est la carte du jour qu'on fait sur Instagram. Oh, cool! Et là, on est samedi le 11 mars. 2023. Mais cette carte du jour-là, vous allez l'avoir d'avance. Mais quand vous allez voir le podcast, vous allez dire « Ah oui, je l'ai vu là, il y a une semaine, mettons. » Fait que là, vous allez pouvoir aller la revoir et dire... Ah, ben oui, je l'ai vu live, cette carte-là. Moment d'anthologie. Normalement, mes cartes du jour, je les ai en banque dans mon cell. Puis j'ai fait tout. J'ai fait pas live comme ça, de toute façon. Et donc, on va. Là, il faut que je garde ça ouvert. Je mets une canette. OK. Parce que ça me prend mon bain. Regarde. Alors, Mary Craven vient d'avoir un petit peu de. C'est pas grave, pantoute. On s'en calisse. Pauvre Murray. Alors, c'est juste pour garder ça. Mais tu veux pas que je mette mon sel à la place? Ouais. Voilà. Okay. Alors, c'est pas important. L'important, c'est que j'ai mon petit background de cartes. Okay? Ouais. Puis là, justement, ben, on va honorer une de ces cartes qui vient de se faire mouiller. Ça va être Murray Craven. Okay? Notre carte du jour. Ou bien on a, je sais pas qui, là. Non, Murray. Ah ouais, donc Murray mérite d'être souligné. Tiens. Surtout que c'est une carte que moi, je te dis, j'ai jamais vu celle-là. OK. Donc, je prends ma photo. Oh! Ça fait bien que j'ai fermé les lumières parce que souvent, il y a des reflets et ça fait pas beau. Donc, voilà. Et justement, qu'est-ce qui fait en sorte que tu choisis une carte quand c'est le temps d'en mettre une, admettons, sur Instagram puis sur la vie d'un puck? Mon feeling. C'est ton feeling? Tu n'as pas comme une liste de « Ah, lui, j'ai déjà mis... » Ben, des fois, je mets des joueurs, mettons, que
sais, s'ils viennent de mourir ou qu'ils viennent de se faire échanger ou qu'ils ont dit de quoi de con à TV, ben là, je vais peut-être mettre... OK. Mais sinon, c'est moins, aussi c'est... des fois parce que des fois, tu réussis à obtenir des nouvelles cartes. Oui, ça aussi. Tu reçois comme du stock ou tu n'achètes ou je sais pas trop. Puis là, tu dis, bon, là, je vais essayer celui-là qui est nouveau puis ça, c'est le fun de le présenter. C'est ça. C'est souvent mon feeling. Puis c'est ça. Quand j'ai des nouvelles cartes, ben, je suis comme, yeah, je vais les mettre sur ma carte du jour. Ouais. Parce que des fois. Beaucoup de tes cartes que ça a fait ça. Tu m'as donné. Des idées. Non, mais l'été passé, tu m'avais donné une badge de cartes. Oui. Pour les paquets, puis j'en ai mis beaucoup. Ouais. Là, je mets des petits filtres, des fois, un petit peu, pas trop. Et je mets ça live. Donc, la carte du jour. Mm-hmm. Marie Craven. C'est live en ce moment. Là. On est le 11 mars 2023, puis ça va paraître live là. Sur Instagram, oui. Puis Facebook. Écoutez. Marie Craven. Vous êtes en train de vivre l'histoire. Oui, c'est une époque incroyable. En différé. Parce que là, vous apprenez que ça s'est fait de même. C'est une époque quand même incroyable qu'on vit. Là. Imagine, là, voulais-tu faire ça il y a 20 ans? Non. Non. C'est-tu un jeu de mots? Époque? Non, avec l'époque? Non, ça n'est pas. C'est beau. Ça ne l'est pas et je suis en train de remettre en vie, en question, toute mon existence suite à cette joke. Une bonne joke de la vie est une puck. Oh yeah! Voilà. Alors, c'est live, la puck du jour. Marie Craven, Pro 7, 91-92. Très belle carte. Oui. Mais comme ça serait bon à signaler que... Un peu aspergé d'eau pétillante. Oui, non, mais il y a aussi la carte en arrière, si on met l'endo. Non, je ne mets pas l'endo. Non, je sais, mais l'endo, là, c'est la même photo en avant, mais zoomé. Oui, je vais vous la montrer. Puis même pas en bonne qualité. S'il y en a qui se demandent pourquoi je ne mets pas les deux cartes, c'est l'endo, c'est parce que quand je fais ça, sur Instagram, c'est beau, tu as le front puis le back. Mais quand tu les envoies sur Facebook, ils te font une mosaïque là, des deux. Ah, OK. C'est pas beau, j'aime pas ça. Moi, je veux voir la carte. Je pourrais la mettre en commentaire, là. Ben, ça serait une idée. Mais ça serait de la job, puis ça me prendrait deux fois plus de place dans mon drive sur mon téléphone. J'ai ma banque, là, je pense que j'ai 400 cartes du jour en banque. Qui ont été choisies là longtemps, puis des fois, c'est un backup. C'est ça. Mais c'est juste, c'est rare que l'arrière de la carte est d'aussi piètre qualité pour la photo. Moi, c'est la première fois que je vois aussi dézoomé. C'est pas beau, mais Pro 7, c'était quand même des belles. Mais c'est... Là, on a fait quelques cadavres ici. Oui, des cartes mouillées, c'est rare. Ah, trop cool. Il faut qu'il sacrifie pour la gloire. Là. Ah, t'as vu? OK, c'est bon. OK, ensuite, parlant de cartes. Oh, un autre segment. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Je voulais prendre un segment pour bitcher sur les hosties de cartes Bowman. Ah, oh, les cartes Bowman, écoutez. Les aimes-tu, toi? Non. Est-ce que ceux qui... Ben là, vous allez en voir à l'écran, là, mais c'est des cartes qui ressemblent à ça. C'est l'arrière-plan. Tellement. L'endo, là, c'est juste des stats. Ben, ça c'est pas grave, des stats, mais c'est les stats contre l'équipe. Les équipes de la Ligue. C'est vraiment... Moi, je suis sur place, je veux voir les stats des années d'avant. Ben, je pense que c'est la seule compagnie de cartes qui ont fait ça. Non, il y en a d'autres qui ont fait ça, mais tu sais... Pour les stats de main, j'ai jamais vu ça dans d'autres gars. C'était pas... C'était des cartes spéciales. Ça fait très différent. C'était pas pour la série, principale. Ouais. Fait qu'ils sont tellement laids, ces cartes-là, je les déteste tellement. C'est vrai que la qualité de photo est pas très bonne. Mais je me ramasse tout le temps avec des maudites cartes Bowman, partout, là, dans les paquets de Dollarama, quand j'achète des cartes sur Marketplace, à du monde... quand le monde me lègue le carte, je me ramasse tout le temps avec ces cartes-là, puis je les haïs du plus profond de mon âme. Oui, Bowman, c'est-tu genre... ils ont aucun lien avec Pro 7. C'est juste une compagnie qui a explosé, qui a dit... Parce qu'on dirait qu'ils ont fait juste quoi, un ou deux... Ce que je me suis fait dire, c'est qu'ils ont brûlé. Ils ont brûlé? Ah, ouais. Il y a une des séries, là, c'est pas elle, là, c'est la suivante ou deux suivantes, là. Qui vaut plus cher parce qu'il y en a moins, parce que leur entrepôt a brûlé quelque chose. Genre. C'est Martin Dublois qui m'a dit ça. Martin, merci pour l'info. Je ne sais pas si c'est une légende urbaine. Là, mais, peut-être. Mais... Bref, je déteste tout de ces cartes-là. Les photos sont poches, l'éclairage est mauvais. Check lui, Gary Roberts. Ils ont tout l'air de vouloir mourir, les joueurs. C'est tout le temps les cartes les plus déprimantes que tu n'as pas vues. Peter Stachny, ça, c'est vraiment une honte. Ouais, c'est pas très bon. Dino Ciccarelli, check-y. C'est vrai, c'est tout sombre. Fait que c'est comme s'il n'y avait pas de flash. Ils ont pas quelqu'un qui ont dit « va là-bas » puis ils prennent des photos. Les photos pourraient être pas si pires. Ouais. C'est le traitement qui est pas bon. Ah, okay. Ça s'arrange, ça, des photos pas de flash. Là. Mais
Ben, peut-être pas en 90, là, en tout cas. Tu sais, ouais. Stéphane Lebeau, ça, c'est vraiment une honte, là. Ouais, Réjean Lemelin, check lui. Moi, personnellement, en ce moment, de voir ça, je trouve ça cool, parce que c'est des cartes que j'ai à peu près jamais vues. Ah non? Mais c'est sûr que la qualité n'est pas là. Ça, je garantis. Mais puis le design, stats, arrive, ouais, le petit nom oui, poche en bas. Oui, le nom, il est à trouver. Les couleurs jamaïques. Tu ne trouves pas que ça fait comme Panini un peu? Oui. La façon que moi, ça me rappelle le design Panini. Comme j'ai ici. Mais là, au moins, on voit le nom. Bob Kudelski, on le voit en dessous, tu sais, le nom. Mais il y a la même border un peu de couleurs bizarres. Pas tant, mais... Moi, c'est ça, je déteste ces petites couleurs-là jamaïcaines un peu. C'est bas, c'est vraiment à lettre rainbow. Ouais, on voit très mal le nom. Mais est-ce que Bowman faisait des cartes dans d'autres sports? Ah, McInnes. Ouais, franchement. Je sais pas, les autres sports. Il faudrait checker, pas. Mais... Mais ouais. C'est ça. Fait que moi, en plus, vu que j'en ai tellement, je me suis dit... Comme il y a bien des séries que je ramasse de même, puis que je dis, ah ben, je vais, tant qu'en avoir plein, je vais essayer de toutes les ramasser. Fait que j'ai commencé à faire ça à reculons quand même pour Bowman. Ah ouais? J'ai classe. J'essaie d'avoir toutes, mais je sais que je les aurai sûrement jamais. Mais... Il y en a combien? Je sais pas. Mais... Il y en aura 500 quasiment. En 400 au moins? Je pense que non, 300 ou 400. Il n'y en a pas tant que ça, mais ils sont. Je sais pas pourquoi j'y ramasse. Mais aussi, en accumulant toute cette crap là depuis des années, ben je me suis rendu compte qu'il y a deux joueurs en fait, que j'ai tellement trop souvent, je suis tanné de le voir, c'est Lou Franchetti. Franceschetti, ouais, c'est ça. Regarde, ça je les ai comptés. Puis, le pire là-dedans, c'est que j'en ai sûrement acheté là-dedans, mais j'en ai encore. Check bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Woo! 32 fois Lou Franceschi. Ah non, il n'a que ça mouillé. Ils ne valent plus rien. Ouais, voilà. Ça valait déjà plus rien. Fait que là, je check ça. Wow! Mais ouais. Pourquoi j'ai garde? Je me suis dit, ah ben, je vais voir jusqu'à combien je peux me rendre. Fait que je vous demande, chers auditeurs, si vous avez des cartes de Lou Franceschi. C'est vraiment dur à dire. Franceschetti. Ouais, il faudrait regarder sur YouTube comment ils disent en anglais, mais ça me... In a wrestling match, back to the right of the North Star goal, they've thrown away their sticks and gloves. Now McRae gets his right loose, about four shots. Now Francis Getty puts a headlock on McRae. Francis Getty. Si vous en avez, écrivez-nous pour m'en envoyer par la poste. C'est quelque chose que j'aimerais inaugurer, ça, un mailbag. Oh, cool. Les gens qui envoient des... envoyez-nous des cartes. Pas obligé d'envoyer 500, là, peut-être une petite enveloppe. Écrivez-nous, puis on va vous donner l'adresse et... Comme ça, on va peut-être pouvoir faire monter ma pile de Lou Franceschetti. Puis j'ai aussi Dean Everson. Lui, je pensais que j'en avais plus que Lou Franceschetti, mais finalement, non. Dean Everson des Whalers, j'en ai tellement aussi. Lance-les, on va voir combien il y en a. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'en ai moins. 17. Fait que si vous avez des cartes de Lou Franceschetti et Dean Everson... Envoyez-moi-les. On va essayer de faire un record mondial Guinness des... Puis on va voir, peut-être que quelqu'un a genre 30 d'Ine Everson, il va peut-être pouvoir faire monter la pile. Ouais. Qui va gagner? Everson contre Franceschetti. Fait qu'au moins, on va rendre les cartes Bowman le fun en essayant de faire un genre de course ou quelque chose avec. Ouais. Puis peut-être qu'un jour... Ouais. On fait cuire des guimauves sur la plus grosse pile. Oui, ça, c'est un bon starter de feu. Ça. En plus, elles ne sont pas lustrées, rien. Oui, c'est vrai, ça. Fait que, j'ai hâte. Fait que, si jamais vous en avez, écrivez-nous. Donc, c'est ça pour ce segment. Ensuite, là, j'ai, pour finir cet épisode du podcast, j'ai eu comme idée, parce que les deux dernières fois, on a fait des jeux. On a joué au jeu de cartes, la vie est une poque, mais là, j'ai des nouvelles règles en tête. Oh. J'ai des nouveaux... des nouveaux règlements et des nouvelles cartes spéciales que je veux développer. Fait que on prend un petit break pour cette semaine, mais on va faire un autre jeu. You, mon sac. Un autre jeu. Dans quelques minutes. On va... Ça fait depuis tantôt que je veux garder la surprise, fait que je voulais pas sortir ça de mon sac. Moi, je sais pas à combien de temps. On va jouer à NHL. Hein? Non! Ben oui! Oh! Trop cool! Yes! Fait que je vais te montrer quelle édition qu'on va jouer. Ça, c'est une surprise. Fait que faut qu'on s'installe encore. Fait que on vient dans deux minutes.
Alors, oui, on a comme surprise, on va jouer à NHL. Woo! Oh my God. Ça va être. Là, je vais te faire plaisir. Check bien ça. Parce qu'on va jouer à NHL 93. Oh! Pas 94. Oh, le premier, genre? C'est le deuxième. C'est le deuxième, OK. Oh my God, pas 92. Wow! C'est en fait, le vrai nom, c'est NHL Pillé 93. Ça enregistre bien. Yeah. Oui, ça enregistre. Oh my God, le graphique, tu vois. Okay. EA Sports, it's in the game. On met du son? Ouais, on met oh du son. My God. C'est Sega ou c'est Sega. OK, c'est Sega. Wow. Là, j'ai un émulateur ici, mais c'est la version Sega. Oh, j'ai jamais joué avec la Sega. Et c'est ça, j'avais pris cette version-là pour qu'on puisse jouer avec tes sénateurs. Oh, merci. Des premières années. Fait que ça va être... T'sais, on jouera pas avec Mario Lemieux et Wayne Gretzky, on va jouer avec des joueurs de cul. Là, c'est parfait pour moi. Mais moi... Pour pas que tu sois trop fort, je vais prendre Tampa Bay. Mmh. Hey, Jeff Lazaro, on y est plus. Fait que là, on garde les fights. Là, on parlait des fights au début de l'épisode, mais quand tu joues à des jeux de hockey, les fights, c'est correct. Oui. On va pas faire de scandale avec ça. Pas de scandale. S'il y en a qui peuvent se battre, c'est bien des joueurs pixelisés. On change les lignes, oui. Oui, on met un changement de ligne. On met pas de pénalité. Où on les met. Oh, j'ai Sylvain Turgeon. On met les pénalités, mais pas de pas d'offside Monday, ouais. 10 minutes, blablabla, OK. Oh my God, tu fais un bout, là. Alors, on voit nos forces ici. T'es trop fort en shooting, je vais me faire démolir. On est égal en fight. Ah, par will. On est pas mal égal, je dirais. Ouais. C'est quoi home team advantage en bas? Ça veut dire... Quand tu es à domicile, t'as un petit avantage de plus. Bon, puis tu moins, l'es. Overall, je suis pourri. Là, faut que tu t'habitues au bouton. Là. Je pense que ça, c'est pass et shoot. Je suis pas sûr. On va apprendre. Ça fait un méchant bout. J'ai pas joué à ça. Là. Wow. Trop cool. Puis là, je pense. On va regarder un peu nos lignes. Ouais, je parie que j'ai même pas Bob Kudelski. C'est-tu ton équipe ou ça? Ah, merde. Faut changer maintenant. Moi, je prends pas Tampa Bay, même si j'adore Brian Bradley. Là. Fait que, ouais, tu peux regarder tes lignes, mais change-les pas pour rien. Parce que... C'est quoi, je peux... Tu peux mettre Sylvain Turgeon sur ta première. Si ouais, ça fait pitié. Hein. Ça, c'est la première... Non, première ligne, c'est Lindbergh. Ouais, il est vite. Lamb, puis Lazaro. Ah, voyez-le avec qu'est-ce qu'il y a là. Fait que ouais, là, je fais quoi? On fait juste le regarder. Qu'est-ce que je fais? B. Moi, bon, on regarde les miennes. J'ai Joe Rickey. You, Brian Bradley. Non. Oh, wow, t'es en chicken line. Ah, ouais. On va changer ça parce que... En tout cas, moi... 51. Ah, ça m'énerve, il est bien plus fort. Tabarouette, ils l'ont mis fort. Ça doit être avant qu'il joue. Il pensait qu'il était super bon. Puis... Non, il était pas pire, ça m'énerve quand même. Mais tu sais, je vais le mettre comme il est droit avec lui. Ah, je vais être obligé de changer mes lignes d'abord. c'est vraiment mal fait à ce point-là. Tim Hunter, c'est que c'est pas grand-chose. Hey, tu as vu Shane Stevenson, 7 overall. Ouais. Hey, c'est insultant pour le gars. Là. Mike Hartman, j'ai comme pas le choix de le mettre lui. Ou t'es Rob DiMaio. Même Michel Mongeau, ils l'ont pas mis fort. Michel Mongeau va aller là. Dan Vincelette. Tu sais, Monteur, je vais le mettre. On dit qu'ils sont faibles. Mais non, mais il est pas là. Je vais le mettre... 20. Écoute, ça va être l'enfer. Là, je vais pas enlever lui, je vais le garder. Bon. C'est lui, là. Ah oui, il faut que tu l'enlèves. Puis je l'enlève, je mets Tim Hunter. Ouais. Puis Bradley, ben là, il va aller ailleurs. Tu vas mettre Hartman, là. Ouais, mon Hartman. Basil McCree, c'est une terreur, mais je sais pas s'il est bon là-dessus. Mais ça va être ma ligne de fête. Là. C'est qui Bloomberg? Ça me dit absolument rien. C'est tes noms que... I. Quatre! Il y a quatre! Wow! Hey, c'est un massacre. T'es-tu obligé de le faire jouer? Ben, Sean Chambers, c'est le pire joueur de toutes les séries de jeux vidéo qu'il n'y a pas eu. Là. Hey, ils l'ont mis à un. Ben, voyons donc. C'est moi, je suis comme je le mets à la place de... Parce que c'est Sean Chambers quand même. Wow. On a écrit sur le blog sur lui d'ailleurs. Ok, je vais peut-être quand même aller changer, mais si ça te dérange pas là. Ouais, vas-y. Je fais quoi là? Attends, je fais ça ici? Attends, c'est moi. Ah, okay. Ok. Là, c'est toi. Ok, juste aller voir parce que à la défense, c'est pas si pire. Là, tu tournes à droite. Toi. Oh my God, as-tu vu ça? Ouais. 3-2. Voyons donc, qu'est-ce que tu veux que je foute avec ça? Ok, avec là, j'ai les deux meilleurs. Ça va. Je vais choisir Amine.
Painter puis Lavoie. Avec là, le scoring line 2. Hey, c'est oh my God. Darren Rumble. T'as Miller, tu peux switcher là. Hey, ils ont deux. Qu'est-ce que je fais avec ça? Miller puis Lavoie. Ben, coudon. Puis ensuite, remets Rumble. Ah non, c'était. C'est Painter, je vois. Painter. Ouais. Hey, c'est insultant. Ok, ça, c'est parfait. Peluso, c'est un tueur. Rob Murphy, il était pas. 4. Oh my God. Qu'est-ce que je fais avec ça? Et Rob Bushman, il était à 60. Moi, je te le mettrais. Qui ça? Rob. Larry Bushman, oui, il est bon. Ouais. Je le laisse là. Après, j'ai Freer. Ok, fait que Murphy est trop faible. Fait que je vais mettre Thompson, je pense. Ah, il est déjà là. Je vais mettre Thompson pareil. Fait que là, ici, il faut que j'enlève Thompson. Je vais mettre. Lazaro est déjà là. Mon Dieu, j'ai rien. Qu'est-ce que je peux mettre? Ok, 4, 60. C'est pas vraiment des changés, c'est des déplacés. Je vais mettre Murphy, donc, puis Turgeon. Ah, c'est une cata. Mais mettre Turgeon, c'est la première. Hein? Ben non, Lindbergh est plus fort. Il a 60. Mais non, il a 48. Ah non. Puis j'ai rien dit. Bachman, c'est le meilleur joueur. Ah, c'est Turgeon, ok. Donc là, je vais mettre ici, je vais mettre. Comment tu disais là? Lindbergh? Je sais pas. Ouais, c'est Lindbergh. Okay. Lindbergh, ben, c'est affreux. Ok, je vais me faire tuer. C'est ça qui s'en vient. Ça va être. Ben, moi, je suis pas parmi eux. Là, je fais quoi quand j'ai fini? Tu fais start. Start, ok. Tu fais exit. Juste exit? Ouais. Ok. On dirait que je peux pas changer. Ouais, je pense que t'as juste lui. T'as no goalie ou Wendell Young. Puis ouais, juste ouais. Moi, je veux voir. J'ai juste Sidorkovic. Ouais. Fait qu'on a juste un goaler chaque. Ok. Puis il est poche, puis c'est tout. Ok, on joue. Et boy. Je m'attends au pire. Et moi, je suis en blanc. Oh! Première attaque. Hey, comment tu fais pointer tes joueurs? Boom! Teinte-toi. Et tabarouette! Oh, le tir! Woo! OK. Oh, mon Dieu, qui est slow! Bang! Teinte-toi! Hein? Tu te passes? Ah non, c'est un tir! OK, c'est ça, il faut pas que je me trompe. Attention! Arrête-le! Woo! Quel arrêt! Hein? Go! Peter Sidorkovic, qu'on salue. Vraiment, tout un gardien. Là, il faut choisir nos lignes. Ouais. Okay, B, A, P. Je pense que c'est Y, B, A. Okay, pour tirer, c'est quoi à date? J'ai comme... C'est A. C'est là, t'es sûr? OK. Ouais, puis B, la passe, c'est B. On dirait que non. Ah oui. Ah oui, t'avais raison. Donc, j'ai fait un dégagement à la sénateur d'Ottawa. Oh! Oh! Oh, oh, oh! Rob Murphy dans la maison. Woo! Ah, trop cool. OK, on y va. Oh! Oh, oh! Oh oh! Ah shit! Ah shit! Non! Vas-y! Ah! Tiens-toi! Yeah! Oh! Oh! Ce qui est le fun avec ça. Ah, il est même pas capable de pogner la poque, tout ça! As-tu vu? Non. Il fait une. Voyons! Qu'est-ce qui se passe? Oh my God! Oh boy! Hein? Pénalité. Oh! Funky! Ah, oh, voyons donc, monsieur, il voulait juste y casser la gueule. Ce qui est fun avec cette version-là, c'est que les one-timers n'existaient pas encore. Ah, OK, OK. Fait que faut que tu sois plus créatif pour tes buts. Et puis, wow! Tiens, toi, va-t'en. Ih, il a arrêté de péter. Boom! Oh, shit! Uh-oh! Ah, merde. Woo! Attention. Oh! Tire! Pow! T'as vu le tir, toi? Même pas capable de tirer à votre place. Wow! Woo! Oh, shit! Ah, oh, l'arrêt! Vite! Hit, ta boîte! Est-ce qu'ils ont pas de vitesse? Oh, shit! Ah, oui. Ah t'as-tu vu le... Ah, raté ça, franchement! Ah, ouais, un autre tir. Oh! Ah, tu fais tant que tu ne mouvres pas. Mark Lamb. Mark, Jeff Lazaro. Moi ici. Woo! B, ça doit être ça, ouais. Tu fais tout le temps le move push de l'ensemble au goaler de Londres, puis il l'échappe. On va faire ça, moi, avec. Wendell Young, il est pas bon. Oh! OK, on y va. Attention. Oh! On tire. Pacquiao! Woo! Ah, shit, j'ai manqué ça. Ih, t'as boire. Wow! Ouf! Ah, come on! Hey, tu l'avais, je pense quasiment. Encore moi, ça, c'est sûr. Slashing. Hey, Lindbergh est en feu! Wow!
Ouf. OK, on y va. Let's go, les boys. On attaque. Oh, elle n'est même pas capable de faire une bonne passe. Ah, shit, je l'avais. Tu fais rien que me rentrer dedans. C'est vraiment malhonnête comme tactique. Ça, je vais le faire aussi. Hein. Oh, oh, ben oui, t'as le droit. On joue au hockey. Oh, shit! Ah, t'as peur. Tiens-toi. Qu'est-ce qui se passe? Ta punition est finie. Ah, OK, OK. Tu vois, je suis pas habitué avec le... Comment on appelle ça? Le Sega? Ouh, c'était proche, ça. Quel arrêt de Sidorkowicz qui dit non. Et là, on voit, je sais pas c'est qui, mais... Oh, oh! Il tirait pas vite. Eh, boy. Oh! Oh, le tir! Ah! Oh, quel arrêt! T'as Wendell Gang qui était en feu! What the... Ouf! OK, attention. On tire! Pow! C'est quoi ces tirs de merde? Tu sais, je suis comme habitué avec les autres, qui, les joueurs vont être meilleurs pour tirer. Ah, shit, regarde-moi ça. Même pas capable de la chercher. Hey, c'est ouais, vraiment pas fatigué. Vite, là. Ouf. Ouais, mes joueurs aussi sont morts. Ah, oh, chanceux. La ville. Wow, bon, quel match. Bon, là, ça va pas bien, mais là, je vais être de mon bord quand on switch. Bonne période. On voit que Québec a perdu contre New Jersey. Ça va pas bien pour Québec. Ouf. Bon, là, il faudrait que j'en marque un. Ça, c'est une niaisage. Oh! Damn! Là, je pense que je t'ai poigné d'aplomb. Wouhou! Ah! Crime! Encore? OK, je pense qu'il y avait une punition. Oups! Ben, il va pas vite, lui. C'est qui, ça? Tap! Pow! Quel arrêt! Voyons, c'est pas vraiment... Oh, shit! Hey, c'est du hockey de goût, hein? Lindbergh, attention. Oh, il tire. Ça se rend pas. Ah, come on. C'est qu'on patauge, hein? On... J'ai pas eu d'interférence pour ça, t'as vu? Oh, my God. Oh, oh. Je suis capable de me rendre au filet. Attention. On y va. On tire. Pow. Ah, même pas. Un arrêt. Ouf! Je suis pas capable de faire des passes. Ah, la voix est trop mauvaise. Hey, shit, il faut vraiment que je change de ligne bientôt. Je sais pas comment. Comment on fait? Ouais, il faut gosser avec les pitons. Mais là, de toute façon, t'as un changement. Ouf, moi, j'étais fatigué. Il faut que je fasse un but, moi, là. C'est assez, là. Mm-hmm. On va te rentrer dedans comme il faut. Rentre-moi dedans. Let's go. Oh, l'arrêt. Oh! Ah, tap! Ouf! Attention, numéro 6, c'est pas pire. Zou! Oh! Un tir! Ah! Ouf! Quel arrêt! Oh shit! Oh shit! Ah! La voix est pourrie! Oh! Oh shit! Viens t'attendre! Oh! Tap! Aïe aïe! Aïe aïe! Ouf! Et ta poire! Oh non! Il m'a tué Jeff Lazaro! Mon super bon joueur à l'attaque! Je pense que ça me fait une pénalité. Non, non, on a tous les deux 5 minutes. Mais moi, il est fini, regarde-le. T'as tué mon joueur, pourquoi? Tu le méritais. Mais voyons, Jeff Lazaro. Tu étais rentré dans mon goal. Je sais pas si tu savais, mais sur ses cartes de hockey, puis il n'y en a pas beaucoup, là. Il y avait comme un L ou un Z, je ne sais plus quoi. Je pense que c'est un Z qui avait comme fait dessiner dans son, sur ses cheveux. Fuck! Sylvain Turgeon. Je suis pas capable de faire de but. Ouf! Beau plaquage. Oh! Oh. Plaqué, ça, j'ai pas de misère. Ouais. Tabarnak. Ouh, le tir pourri. Et tabarouette, tu m'as pas manqué. Tiens, toi. Oh, shit. Oh! Oh non! Oh! 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 Woo! Oh, c'est proche, c'est proche. Let's go, on dégage, on dégage, on dégage. Whee! Boom! Ah! 33 Lindbergh, il sait qu'est-ce qu'il veut. Oups, il va falloir que je change de ligne, sinon il va être brûlé. Là. Come on, change de ligne. Ah, shit! Ils sont fatigués. Ouf! J'en reviens pas que j'ai la misère à marquer une ligne. Ah, c'était quoi cette passe-là? Ouais, changement. C'est quoi pour changer les lignes? On peut pas.
T'es sûr? Hey, moi, il était brûlé, check ça. Ouf. Checking contre la première ligne. Boom. Ouf, je pense que t'es pogné là. Ah! J'en reviens pas que tu mènes 3-0. Oh! J'ai tellement eu des meilleures chances que toi. Ouf, shit! Shit! Ah, shit. Oh! À côté. OK, là. Ouh. Ah, interférence, je suis pas mal sûr. J'aurais pas dû faire ça. Ouais, c'est ça, interférence. Oh, Peluso! Wouh! OK, but, s'il vous plaît. Chris, de jeu. Oh! Ah, merde. Ouf. Oh, shit! Vite, aidez-le! C'est fait! C'est une joie pourrie. Il dégage et la période est terminée. 3-0, c'est vraiment 3-0 pour les sénateurs qui sont en feu. Wouh! Impossible. OK. Attention, dernière période. Est-ce que ça va être comme les Patriotes? Est-ce que ça va être une remontée spectaculaire, mesdames et messieurs? On va voir ça. Hop. Wow! Oh, shit! Oh, le massacre! Hop! Yippee! Oh, shit! Oh, shit! Il tourne le bord, attention! Yip! Ah! Oh, non! Oh, ah, quel but! Je l'ai travaillé en mon vie. La remontée commence, mesdames et messieurs. Est-ce que ça va être un miracle à Ottawa? Je pense pas, mais c'est un bon début. J'ai travaillé ce but-là. Ouais, j'ai vu ça, là. Oh! Ah! Putain! Ah, ben, Wendell Young, t'es en feu! Ouais, il est bon, pareil. Ouais. Il me surprend. Un petit tir pourri. Oh, quel arrêt! Ah! Fuck you, Asti! Mike Peluso a dit non! Tu sais, il tire de loin, il échappe tout le temps, ça. Je suis même pas capable. Je suis même pas capable de faire ça, moi. C'est trop déshonorable. Oh, mais là, Moi, j'étais avec les sénateurs de cette année-là, là. Come on, je peux pas être honorable. Oh, même pas capable de pogner la puck. Oh! Tant. Mike Peluso va te détruire. Oh, le but! OK. Hop! Ah, c'était quoi ce tir-là? Shit! Ah, c'est qui ça? Il va bien trop vite. T'as pas le droit. Non. Je suis pas capable de faire la passe cheap. Ah, non! C'est quoi cette passe arrière? Il va se faire envoyer avec New Haven. C'est ça, les sénateurs l'entendent. Tchoum! Oh! Ah! Ah! 3 tirs! Wouh! Ah, shit! Bang! Ouh, je t'ai pogné là. Oh, shit! Ah! Quel but! Dan Vincelette! Ram Ramage et Dan Michel Vincelette. On dit non. C'était un très beau but, ça. 4-2. L'espoir est encore là. Je t'allais sur un retour d'un tir de loin. Je pense que c'est la seule méthode qui marche. C'est ça, exactement. C'est tirer de loin, comme ça. C'est ça, il faut faire. Tau! Boom! Après ça, c'est comme un retour. Si à chier, ouais. Oh! Shit! Oh, failli faire mon wraparound. Ah, mais c'est quoi ça? Ouf! Oup! Pow! À côté, bien sûr. Oui! Boing! Ah, pourquoi il a fait une passe? Ça, c'est vrai, c'est moi qui joue. Ouf! Oh, t'as voir, c'est-tu Joe Ricky, ça? Ça a l'air de Joe Ricky. Oh shit! Ah, non! Oh, t'as voir, tu m'as eu là. Attention, numéro 37, il tire. Quel tir vraiment ordinaire. Oh, est-ce qu'il va enlever son goaler? Oh, shit! Oh, t'as boit! Oui! Boing! Chris, que j'ai ça. C'est tellement drôle qu'elle tombe à terre. Ah, oh, par-dessus. Vite, une passe. Tu sais. Ah! Ah, oh, shit. Oh, il rentre dedans. Ah! Oh, non! Ah, oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Tire! Oui! Oh, icing.
Ouf! J'enlève-tu mon goaler? On va dire que oui. Il enlève son goaler, mesdames et messieurs. C'est 4-2. Il reste tout 8 secondes. Hey boy. Je mets ma checking line. Hey, t'étais brûlant pour ça. Je sais pas si t'as vu ta ligne. Il dégage. Alors, je mets vous vaincu. Wouh! Je suis pas bon dans les quiz. Mike Peluso, première étoile, mesdames et messieurs. Sylvain Turgeon. Puis Hartman, il a fait un super beau but. Il s'est forcé pour gagner, là. Bon, ben c'est ça. Première victoire. Puis ça, c'est sans l'apport du légendaire Bob Kudelski, qui n'était pas encore dans l'équipe là-dessus. Là. Donc, wouh! On va regarder nos stats. J'ai juste... Shot on goal, quand même. Hartman, 5. Rob Ramage, une passe. C'est pas mal tout. Ouais. Puis shot on goal. T'as juste un point chaque aussi. Ouais, tu vois ça? 14 tirs. Jeff Lazaro, je l'ai perdu. Il y avait déjà 8 tirs. Je l'ai perdu pourquoi? Quasiment une période et demie. Ouais, ouais. Hey, j'aurais fait encore plus que ça. T'sais, c'est vraiment cool. Tant. Crowd meter, on peut aller voir ça. C'est tellement pas utile. Ouais. Alors, c'est ça. Ça sera peut-être. On pourrait peut-être faire une autre game à un moment donné. Mais pas aujourd'hui, mais d'un autre podcast, je veux dire. Absolument. Moi, j'allais jouer une autre game sans problème. Ben, on peut jouer encore après avoir enregistré. Mais pour le podcast d'aujourd'hui, ça va être tout. Donc, on vous remercie d'avoir été là. N'hésitez pas encore. Les cartes. Oui, on vend les cartes. Lou Francescalli, peut-être. Oui, on vend nos paquets sur notre site. Si jamais vous voulez nous encourager, nous donner des petits boosts. Et envoyez-nous des cartes de Lou Franchetti. Franceschetti, des Maple Leafs, Bowman 89-90. Ouais, il nous reste encore des chandails, je pense, à moins que je me trompe. Ah ouais, un peu, mais pas. Donc c'est ça, et si vous voulez aussi nous envoyer des cartes random, là, on peut aussi, ça serait fun de faire un segment qu'on ouvre des enveloppes. Puis qu'on, oui, donc étonnez-nous avec des cartes nowhere, ça peut être des affaires de Kraft Dinner, ça peut être des affaires de sacs de pain. Ouais, moi j'aime beaucoup les cartes qui sont brisées même, ça, des cartes déchirées, toutes molles. Dessinées, maganées, brûlées, n'importe quoi qui sentent la cigarette, peu importe, ouais. Si vous n'avez. On va les honorer en direct pour vous. Absolument. Donc, merci beaucoup, et on va terminer ça là. Et n'oubliez pas, les Patriotes, au moment où vous voyez ce podcast, s'ils ont gagné, ben c'est probablement les séries canadiennes qui commencent, donc encouragez-les, et regardez ça sur YouTube, c'est gratuit. Donc, merci. Go Patriotes! Go gang! Et nous, on va se revoir les prochaines fois pour voir les séries des Janois et des Marquis. Donc, il y a beaucoup de bons hockey dans les prochaines semaines. Pas pour le Canadien, par exemple. Non. On a hâte que ça finisse. Oui. Merci beaucoup, c'était super le fun. Merci, woo! Gang. Salut.